Bien, écoutez, au nom de notre président Jacques Combi, donc, que je représente, donc, je suis extrêmement heureux d'ouvrir donc, cette grosse demi-journée. Hein, c'est presque une journée de par la densité du programme. Je suis particulièrement heureux parce que ce que vous allez vivre aujourd'hui donc s'inscrit dans un projet plus large hein, donc que l'université donc soutient depuis un certain temps donc de façon relativement concrète aussi hein, donc vous savez que l'indologie ça fait partie de ce qu'en France actuellement on a tendance à appeler les disciplines rares hein, sur lesquelles le ministère veut mettre un accent particulier, mais étant une discipline rare, évidemment, donc il faut se mobiliser beaucoup pour trouver des soutiens, pour faire vivre donc cet aspect de la création de connaissances dont notre université. Dont les universités devraient se sentir investies aussi, parce que je suis convaincu que ce pan du savoir fait partie aussi de notre métier universitaire, même si c'est pas souvent dans la mode du temps, j'ai envie de dire, et on a peut-être une moindre facilité à le lever des fonds, parce qu'on nous enjoint beaucoup à travailler avec le privé, etc., même si, même pour les disciplines rares, parfois, ce n'est pas du tout exclu, hein. J'ai un exemple en tête, d'ailleurs, de valorisation dans les SHS, bon, dans d'autres disciplines qualifiées de rares, comme le latin, comme le grec, donc les langues anciennes, qui donnent parfois lieu à des produits, même à des produits valorisables. Et ça peut se faire aussi, même si c'est plus compliqué. Donc notre université donc soutient ce travail sur l'indologie d'abord à travers une création quand même assez récente d'un poste de maître de conférence hein, qui va intervenir je pense aujourd'hui d'après le programme donc ce qui est quand même il est pile en face qui est quand même j'allais dire là qui note bien le soutien fort. Et puis plus concrètement dans ce qui nous rassemble aujourd'hui aussi un projet bourgeon hein, donc qui avait été déposé donc par Christine Chojnacki. Alors les projets bourgeons c'est quelque chose qu'on a mis en place au niveau de l'université il y a désormais presque 4 ans et donc qui sont des fonds d'amorçage hein, de projets de recherche plus vastes et donc à l'heure où les budgets des universités ont tendance à se rétrécir, le pari qu'on avait pris il y a 4 ans, c'est que bon, il faut chercher des financements alternatifs de plus en plus, mais on peut pas juste le dire comme ça. Il faut donner aussi à nos collègues les moyens de le faire. Et les projets bourgeons ont été conçus comme ça, c'est-à-dire c'est des financements qui permettent le temps d'un an, un an et demi, de construire donc des projets de construire des réponses à des appels à projets, alors nationaux, européens, voire à construire des efforts de collaboration donc avec le monde socio-économique, à trouver aussi du mécénat auprès des entreprises. Et donc, bon, ça marche. Hein, donc on a un certain nombre de bourgeons qui, en retour sur investissement d'ores et déjà important, je ne doute pas que ça sera le cas aussi ici. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais pour l'objet qui nous rassemble plus concrètement aujourd'hui, donc il était prévu dans le projet Bourgeon donc le travail donc d'un doctorant hein, donc qui travaille aussi directement ici sur les aspects documentaires hein, mais qui sont une dimension j'allais dire d'une dynamique beaucoup plus large puisque les centres sur l'indologie en France sont pas si nombreux que ça, donc à Paris évidemment et je pense qu'aujourd'hui parmi l'ensemble des assistants il y a à peu près un équilibre, d'ailleurs c'est comme ça que le programme est construit aussi, hein, donc il y a deux parties dans le programme et c'est très bien, et puis là il se crée un axe très très fort le long de la ligne TGV j'ai envie de dire, donc sur l'indologie. Donc évidemment pour toutes ces raisons je suis extrêmement heureux hein, donc je suis toujours très très content quand ces efforts ne restent pas dans les grandes déclarations d'intention, mais quand on voit les projets vraiment aboutir à des choses très
très très concrète. Et qu'est-ce qui pourrait être plus concret que les fonds documentaires qu'on va accueillir ici et pour lesquels, d'ailleurs, et pour cet axe de coopération, j'adresse mes plus vifs remerciements, évidemment, j'allais dire, aux personnes sur place qui se mobilisent beaucoup pour, mais évidemment aussi pour ceux qui font cette importante contribution et cet apport. Donc un grand, grand, grand merci. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais je tenais quand même au début de cette journée, puisque ces coopérations nous tiennent beaucoup à cœur, exprimer mes remerciements donc pour ce démarrage et pour cet aboutissement, enfin ce bilan mi-parcours, on va dire, très, très concret déjà. D'un projet Bourgeon qu'on a financé. C'est aussi l'occasion d'inaugurer un événement dans cette MILC, la Maison internationale des langues et des cultures toute neuve, qui a ouvert ses portes à peu près à la rentrée de l'année universitaire. Donc c'est un des tout premiers événements de ce type et finalement aussi en plein dans le cœur de cible de ce qu'est la MILC, donc la Maison internationale des langues et des cultures, qui, vous savez, à l'étage, rassemble une importante collection documentaire. Mais sur ces aspects-là, je ne vais pas m'étendre, parce qu'il y a un spécialiste beaucoup plus important sur ces sujets à mes côtés, à qui je laisserai la parole très rapidement. Grand merci. Je vous souhaite une journée extrêmement fructueuse. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir à mon tour à la Maison internationale des langues et cultures, commune à Lyon 2, Lyon 3. Donc il me revient de vous parler rapidement, parce que je suis coincé entre deux sommités à qui je veux laisser la plus grande place possible. Un mot simplement pour marquer un peu formellement cet exemple de coopération documentaire particulièrement réussi entre nos deux institutions, le Collège de France d'un côté, qui nous fait don donc de cette importante collection en indologie, et l'université Jean Moulin Lyon 3. Je regardais encore ce matin la chronologie un peu de ce projet, qui est né d'un premier mail de Mme Chojnacki que j'ai en face de moi le 3 octobre 2014. Aujourd'hui, 2 février 2016, nous sommes quelque chose comme 16 mois au-delà, et on a une opération qui est un succès à tout point de vue, et à deux points de vue principaux. On compte peu, dans ma longue expérience déjà, de projets de coopération documentaire de cette importance, puisqu'on parle quand même de 1500 volumes qui ont voyagé en 80 cartons entre Paris et Lyon, en camion. On compte peu de projets de coopération, de dons, d'échanges aussi importants et qui aient été menés de manière aussi rapide et aussi exemplaire. Et là, je tiens en public à marquer toute ma reconnaissance et à saluer le travail exemplaire de Caroline Ribéraga, je vais y arriver, et de ses collègues des bibliothèques du Collège de France qui ont préparé, mené un travail documentaire et scientifique sur ces collections, et saluer également le travail des collègues des BU Lyon 3. Vous êtes nombreux à avoir les uns et les autres travaillé à plusieurs titres sur la réception de ce don pour l'accueil de ces collections. Des collections qui ont parfois une histoire mouvementée, intéressante en tout cas, et qui viennent pour le côté lyonnais parfois combler des manques et des trous dans les collections créés par des incendies parfois, comme celui de 99. Mais ça, tant Caroline que Laurence Vialaron, qui est ici, vous en diront plus dans le courant de la matinée. Ma satisfaction est double de voir effectivement, comme le soulignait Peter Wirtz, ce don être l'occasion, la source, et être un appui en tout cas pour des développements scientifiques que les enseignants-chercheurs, Mme Chojnacki, M. Leclerc, M. Moreau, évidemment M. Franz Grenet, vous présenteront dans le courant de la matinée. Donc pour conclure simplement, encore une fois, et pour faire écho aux paroles de Peter Wirtz, je voudrais marquer toute notre gratitude et dire un grand merci à Mme
Georges Naqui, professeur à l'Université Lyon 3, sous l'auspice de laquelle cette opération s'est déroulée de notre côté, et bien évidemment à M. Franz Grenet, professeur au Collège de France et directeur de l'Institut d'études indiennes. Merci. Bien. Alors, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à préciser que je suis ici un peu assis dans le fauteuil de l'usurpateur, parce que bien que exerçant depuis 3 ans les fonctions de directeur de l'Institut des études indiennes au Collège de France, je ne suis pas moi-même indianiste, c'est-à-dire que je suis totalement incapable de lire ne serait-ce qu'un mot dans les éditions en caractère que nous donnons aujourd'hui. Bien, j'ai fait un an de sanskrit au cours de mes années d'étudiant, mais c'est quand même très très lointain. Il se trouve qu'actuellement au Collège de France, la chaire d'études indiennes qui avait existé depuis Chézy, depuis 1820, n'est pas pourvue depuis maintenant 4 ans. C'est sans précédent, hein, c'est une situation elle est des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais disons certains blocages, mais nous espérons évidemment le plus rapidement possible sortir de cet état de choses qui n'est pas sain pour les études indiennes au collège. Ceci dit, j'ai eu la chance tout à fait extraordinaire en prenant mes fonctions de directeur des études indiennes, de récupérer une bibliothèque qui fonctionne toute seule avec une remarquable équipe de bibliothécaires, et mon rôle personnel dans ce qui va être dit aujourd'hui n'a été que celui d'une sorte de bénédiction, n'est-ce pas, rendu depuis les nuages, mais le véritable travail s'est fait ailleurs. Alors je voudrais dire par ailleurs que, c'est vrai, puisqu'on parle de bibliothèque, on parle de livres d'indologie, il y a quelque temps, j'ai été saisi d'un doute affreux, à la suite d'un choc émotionnel que je vais vous relater. Faut-il encore des bibliothèques sur l'Inde? Faut-il encore des livres sur l'Inde? En effet, j'étais dans un avion long courrier en Asie du Sud-Est, donc j'avais le temps devant moi. J'ai donc choisi un film qui durait 3 heures, et je suis tombé sur Bahubali. Je dois dire que là, je me suis dit, mais c'est tous les codes de la culture indienne médiévale qui sont servis avec les moyens les plus sophistiqués que permet la technologie moderne. L'Alexandre d'Oliver Stone, c'est rien du tout à côté. Là, il y avait absolument tout. Je venais d'aller voir à Angkor les reliefs de la bataille de Kurukshetra, mais c'est 10 fois mieux. Les batailles dans le film, c'est 10 fois mieux. Il y avait toute la complexité. En fait, c'est très bien fait. Je tiens à dire que c'est vraiment très bien fait. Il y avait toute la complexité de la rivalité entre les sectes religieuses. Il y avait des suryaïtes, des shivaïtes, des sectateurs de Kali. Et puis, au retour, j'ai pu dire à mon collègue Étienne de la Vessière, qui travaille beaucoup actuellement sur la question des soldats esclaves dans le monde musulman médiéval, notamment indien, mais tu n'as plus rien à enseigner, c'est plus la peine que tu fasses des cours, c'est très bien expliqué dans le film, on voit très bien que le vieux paladin sur qui repose toute la défense du royaume est un esclave, et ça lui pose toutes sortes de problèmes, etc., etc. Bien. Au bout du compte, je me suis dit, malgré tout, il y a des livres derrière, il faudra qu'il y ait toujours des livres derrière tout ça. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui est venue en fait l'identification concomitante de besoins par nos deux institutions. Et il se trouve que fort heureusement, ces besoins se sont rencontrés. Du côté de Lyon 3, il y avait évidemment le désastre de l'incendie de la bibliothèque en 1999 qui a entraîné, entre autres pertes, la destruction
d'une partie significative du patrimoine bibliophilique des études indiennes, puisque je crois, certes, il y avait vraiment des livres, des volumes anciens, rassemblés depuis le début du XIXe siècle, dans certains cas des incunables, et bon, voilà, c'était tout un outil de travail qui était parti en fumée. De notre côté, à Paris, alors je ne vais pas faire l'histoire de l'Institut d'études indiennes ni l'histoire de notre fonds, elle va être faite tout à l'heure par des gens beaucoup plus compétents, mais nous avions effectivement, nous nous posions la question de la gestion, de la destinée de ces multiples ouvrages en double, en triple, en quadruple. Alors mon vocabulaire s'enrichit chaque jour grâce à la note d'information communiquée par Caroline, j'apprends le terme de sextuplon, un ouvrage qu'on a donc en 7 exemplaires, on en a donc pas mal. Qu'est-ce qu'on allait faire de ça? On n'allait pas les brader, il fallait que ça revienne à une institution qui en aurait véritablement besoin. Et là, voilà, donc la rencontre s'est faite. Et donc très rapidement, donc à partir des premières réunions, je crois, ont eu lieu en 2013, très rapidement, ou 2014, très rapidement, on a mis au point une procédure de sélection, des critères rationnels et satisfaisants pour tous du choix des exemplaires qui viendraient à Lyon. Alors au départ, le projet n'était pas un projet de transfert physique de livres, c'était la demande portait plutôt sur une bibliothèque virtuelle, avec un projet donc un programme de numérisation et photocopie de nos fonds. Alors il se trouve que on s'est aperçu rapidement que beaucoup de nos ouvrages, ne peuvent pas être photocopiés de toute manière, et pour être numérisés demandent des procédures assez lentes et coûteuses. Donc, en fait, cet aspect de la question n'a pas été mis sous le boisseau, mais est repoussé à une étape ultérieure. La première étape ayant donc été le transfert physique de 1500 volumes, transfert qui a eu lieu il y a quelques jours. Et je pense que cet après-midi, alors allons-nous les voir déjà sur leurs rayons, ou encore dans des caisses, ou un peu des deux. Enfin, de toute façon, ils sont ici. Voilà. Alors, comme il vient d'être rappelé, Lyon 3 a pu mettre à disposition, a pu obtenir pour cette occasion des allocations de moyens intéressantes, notamment dans le cadre d'un projet Bourgeon, un contrat de travail qui a permis de sélectionner les ouvrages au sein d'un fonds sur la littérature indie moderne. Et ce fonds n'avait pas été exploré, ni fiché, étant donné qu'il n'entrait pas dans les priorités historiques de notre bibliothèque d'études indiennes, qui est quand même, disons, au départ, et reste principalement vouée à l'Inde classique, même si elle accueille beaucoup de... Il y a un fonds Tagore, voilà. Donc on a quand même beaucoup de choses sur les littératures contemporaines. Tout cela aboutit aujourd'hui d'une manière qu'on peut dire vraiment très satisfaisante. Les premiers bénéficiaires de cette coopération, ce seront les étudiants, les doctorants, les chercheurs, peut-être encore davantage que les professeurs, qui trouvent toujours le moyen d'accéder aux ouvrages dont ils ont besoin, mais il est certain que pour le public étudiant et doctorant, la perte d'une bonne partie du fonds de bibliothèque indienne ici était devenue un handicap grave. Voilà. Et je terminerai en disant que l'histoire, heureusement, ne va pas s'arrêter là, puisque notre coopération aura des prolongements dans le domaine de la numérisation. Alors actuellement, évidemment, nous ne sommes pas opérationnels tout autant qu'il le faudrait, puisque
Comme vous savez, nous arrivons maintenant dans une phase de déménagement à Paris. Bon, alors on dit que un incendie vaut deux déménagements. Ouais. En l'occurrence, alors j'espère que ce ne sera pas l'équivalent d'un demi-incendie, mais il est évident qu'il va falloir beaucoup de travail, beaucoup d'inventivité, et il y aura évidemment des contraintes induites sur l'utilisation de l'outil de travail, puisque nos fonds vont partir, fort heureusement, peu dans des silos, principalement quand même en disponible sur le site du Bois de Vincennes. Nous allons être relogés, nous dit-on, un peu plus de 2 ans. Alors, il y a quelque temps, c'était 2 ans. Maintenant, c'est un peu plus de 2 ans. Je prends ma retraite dans 7 ans. J'espère que je ne la prendrai pas dans les locaux du Bois de Vincennes. Voilà. Mais la coopération, enfin notre coopération, va continuer et tout le monde peut s'en réjouir. Je vous remercie. Alors, on ne fait pas la photo maintenant, mais on l'a fait. Ah oui, alors, voilà, ces livres que je ne pourrai jamais lire. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, je remercie les collègues de Lyon qui nous ont conviés ce matin à cette matinée autour donc, de ce don effectivement assez important d'une partie des doublons des collections donc, d'Indologie du Collège de France. Et donc je vais vous essayer de vous faire une petite histoire de cet institut d'études indiennes de Paris, puisque vous allez voir, généralement, il n'était pas rattaché au Collège de France. Donc aujourd'hui, il est bien une composante du collège, et donc il met à la disposition des chercheurs, des enseignants et des étudiants un fonds important, un fonds varié, composé de photographies, de cartes, d'une collection d'objets d'art et d'une bibliothèque qui compte environ 60 000 volumes, 600 titres de périodiques et plus d'une centaine de manuscrits. Ce qui en fait une référence, une bibliothèque de référence pour l'indianisme dit classique. On a ainsi donc des textes sanskrits, pali, tamoul, les langues indo-ariennes et indo-iraniennes, des études linguistiques, des études sur l'histoire politique et religieuse de l'Inde ancienne, sur l'histoire des sciences, l'art et l'archéologie, voilà donc ce qui compose l'essentiel du fond. Alors l'Institut de civilisation indienne, ou ICI, puisque c'est le nom originel de l'Institut, est créé par un décret du 13 juin 1927. Il est alors rattaché à l'Université de Paris et a pour but de coordonner, d'organiser et de développer les études relatives à la civilisation indienne. Donc selon Roland Lardinois, qui était directeur d'études à l'EHESS, la création de cet institut intervient dans un double mouvement. D'une part, l'évolution des enseignements universitaires en France, avec notamment ce qu'on appelle la mise en place de diplômes sans finalité pratique à la fin du XIXe siècle. C'est notamment la création des doctorats universitaires, et avec dans le même temps donc, l'ouverture de nouveaux cursus et la création d'instituts universitaires par discipline, comme l'Institut de géographie en 1910 ou celui des hautes études chinoises en 1921. La création de cet institut poursuit d'autre part le développement des études indiennes, qui se sont structurées institutionnellement à partir de la fin du XVIIIe siècle, notamment avec la création de l'École des langues orientales vivantes en 1795. Et donc l'initiative de cette création de l'Institut de civilisation indienne est due à 3 grands orientalistes de l'époque, Sylvain Lévy, Émile Senard et Alfred Fouché. Alors Sylvain Lévy est un célèbre indianiste, c'est vraiment le réel initiateur du projet. À l'époque, il est depuis 1894 professeur au Collège de France dans la chaire de langue et littérature sanskrite. Il est également dans le même temps directeur d'études à l'école pratique des hautes études en 4e et 5e section.
Et c'est lui qui donne finalement de nombreuses impulsions à l'essor des études orientales dans ces grandes institutions. Et c'est aussi presque un grand voyageur. Il va par 3 fois en Asie, où il va arpenter l'Inde, le Népal, la Chine, le Japon et l'Asie du Sud-Est. À côté de lui, donc, on a Émile Senard, qui lui est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est un sanskritiste, il publie quelques traductions françaises de textes bouddhiques et hindous. C'est surtout qu'il a une fortune personnelle qui, fait qu'il n'a pas besoin d'avoir un poste rétribué. Mais il occupe plusieurs positions honorifiques, à la fois dans le monde académique et politique, ce qui fait qu'il a une certaine influence. Et de par sa fortune aussi, c'est un mécène important pour l'orientalisme. Enfin, Alfred Fouché, donc lui qui est membre de l'École française Extrême-Orient, qui est un philologue, mais surtout historien de l'art et archéologue, spécialiste du monde bouddhique en Inde et en Afghanistan. En 1922, il va créer la délégation archéologique française en Afghanistan, la DAFA. Donc, dans son organisation, l'Institut est dirigé par un conseil directeur, un conseil scientifique aujourd'hui, et à sa création, c'est Émile Senard qui est le nommé directeur. Mais comme il décède malheureusement, quelques mois après cette nomination, ça va être Alfred Fouché qui va diriger l'Institut, puisque Fouché est à l'époque titulaire de la chaire de sanskrit en Sorbonne. Et cet institut va prendre réellement vie à partir de 1928. Et dans ses statuts, son premier rôle est de centraliser, de coordonner les cours relatifs à l'Inde qui ont lieu dans les établissements d'enseignement supérieur de Paris. Alors ces cours sont donnés au Collège de France, à la Faculté des Lettres de Paris, à l'École pratique de hautes études, à l'École des langues orientales vivantes et à l'École du Louvre. Toutes les disciplines des sciences humaines sont concernées. Nous avons des cours de sanskrit védique et classique qui sont assurés par Louis Renou et Alfred Fouché. Les langues moyennes indiennes sont enseignées par Jules Bloch, qui deviendra en 1937 professeur au Collège de France. L'art et l'archéologie relèvent du domaine de Sylvain Lévy, d'Alfred Fouché, ainsi que le bouddhisme, bouddhisme qu'il partage avec Sylvain Lévy. Lévy qui enseigne aussi l'histoire de l'Inde. Ensuite, on a aussi les courants philosophiques enseignés par Alfred Fouché et Pierre Marson-Gourcel, et l'Inde musulmane par Louis Massignon. L'Inde est également envisagée dans ses relations avec ses premiers voisins, ses proches voisins géographiques, qui sont souvent indianisés. Et donc, les programmes des cours des premières années comprennent d'un côté des enseignements sur l'art khmer, l'Indonésie et la Malaisie, et de l'autre des enseignements sur l'Iran ancien, et notamment l'Avesta et le Persan, qui sont enseignés par Émile Benveniste. L'Asie centrale est également présente, notamment par l'étude des textes koutchéens par Sylvain Lévy. Et enfin, on a Jacques Bacot qui va assurer des cours de tibétain. Le suivi de ces cours permet à l'époque d'obtenir un certificat ou un diplôme d'études supérieures indiennes et de préparer également un doctorat d'université. Ici, donc, vous avez la première affiche de cours, qui n'est finalement pas la plus complète, parce que c'est le début. Et à l'époque, on voit d'ailleurs une mention que Fino et Sylvain Lévy sont en tension en Inde. Donc la première année, finalement, ils n'enseignent pas, mais ça se développera par la suite. À côté donc, de ces enseignements donnés, nous avons des spécialistes français étrangers qui sont invités à faire des conférences. Et l'Institut est également honoré par la visite d'autres prestigieux, notamment le poète bengali Rabindranath Tagore, qui visite l'Institut en 1930 et dont la bibliothèque conserve des œuvres dédicacées. Alors donc vous avez Tagore au milieu, Sylvain Lévy juste à droite, et alors ça ne se voit pas, mais à l'extrémité droite vous avez Alfred Fouché. La même année, l'Institut reçoit également la visite du prince Damrang de Siam, avec ses filles, là c'est pareil, derrière le prince vous avez Sylvain Lévy, Alfred Fouché à gauche, Madame Fouché au milieu, et alors à l'extrémité droite Louis Renou avec les lunettes et avec la très belle moustache Jules Bloch. Voilà, donc, parmi les principaux professeurs de l'époque. Donc ces visites répondent finalement à un autre objectif qui est fixé par l'Institut, qui est d'imprimer une impulsion nouvelle au rapport scientifique et culturel entre la France et l'Inde.
Et dans ce cadre, l'Institut supervise également la venue d'étudiants indiens afin qu'ils poursuivent leurs études à Paris. Dès son origine, l'Institut de civilisation indienne entreprend également une politique de soutien aux publications. Ainsi va naître la collection dite classique indien, mais finalement renommée collection Émile Senard, sous l'impulsion donc à la fois de la famille Senard et de la société Guillaume Budet. Le premier volume qui paraît en 1930, il va s'agir de l'édition du texte sanskrit avec une traduction française en regard, réalisée par Émile Senard. C'est choisi de la Chandogya Upanishad, qui est un texte philosophique du 6e siècle avant Jésus-Christ à peu près. L'Institut publie également en 1932 le dictionnaire sanskrit français rédigé par Niti Chupak, Ludhia Niti et Louis Renou, et c'est un dictionnaire que les jeunes étudiants sanskritistes utilisent toujours. Dès sa fondation, l'Institut est également à la recherche de subventions pour son fonctionnement. Quelque chose qui perdure. Les archives donc, conservent la trace des différents courriers adressés par Sylvain Lévy, tant aux administrations françaises qu'à des mécènes indiens. Ainsi, aux fonds provenant à la fois du ministère de l'Éducation, du ministère des colonies, des gouvernements de l'Indochine et de l'Inde française, il faut souligner l'apport du Wadia Trust de Bombay, donc une compagnie d'entreprise qui est fondée en 1736 et qui fait sa richesse sur la construction navale pour les Britanniques. Va s'y ajouter aussi une dotation du Nizam de Hyderabad et aussi principalement de son Altesse le Gaekwad de Baroda, Sayajirao III, donc j'ai un portrait ici, donc qui est une personne, on va dire, assez moderniste, lettrée, et qui va patronner la publication de textes sanskrits sous le nom donc, d'une collection célèbre dans le milieu indianiste, qui est la Gaekwad Oriental Series. Donc, vous en avez une image là, et je crois qu'il y en a un exemplaire d'exposé au-dessus. Voilà. Donc, et qui fait partie effectivement des ouvrages, une partie des ouvrages donnés à l'Université de Lyon. Donc ces aides financières permettent entre autres l'acquisition de livres pour les étudiants et notamment donc, de volumes publiés en Inde ainsi que des périodiques, des journaux indochinois et indiens qui sont à l'époque quasiment introuvables en France. La bibliothèque de l'Institut de civilisation indienne prend donc naissance en 1929 avec le don de la bibliothèque d'Émile Senard qui décède en 1928. Ce don va être partagé entre la Société asiatique, une société savante, et l'Institut de civilisation indienne qui reçoit à peu près un millier d'ouvrages. La bibliothèque est inaugurée en 1929 par Paul Doumer, qui est donc à l'époque président du Sénat et ancien gouverneur de l'Indochine. Donc là, vous avez une petite photo d'une partie de la collection de la bibliothèque Émile Senard, avec le portrait d'Émile Senard au milieu, plus quelques objets d'art népalais sur lesquels je vais revenir dans un instant. Ce don de la bibliothèque Senard est suivi un an après, à peu près, d'un autre don, non moins précieux, qui est dû, lui, à la veuve du pandit Shyamaji Krishna Varma. Vous avez le portrait ici. Alors, Krishna Varma, il est surtout connu en Inde comme l'un des grands combattants pour la liberté et l'indépendance de l'Inde. C'est également un brillant sanskritiste. En 1879, il vient en Angleterre. Il va devenir l'assistant du professeur Sir Monier Williams, qui est le fondateur de l'Indian Institute d'Oxford. Monier Williams est aussi surtout l'auteur d'un célèbre dictionnaire sanskrit anglais, publié en 1899, et qui fait toujours référence et autorité. Krishna Varma, lui, va devenir avocat puis journaliste, mais s'attire finalement progressivement la méfiance du gouvernement britannique, du fait finalement de ses activités et de ses discours révolutionnaires pour l'indépendance de l'Inde. En 1907, il décide donc de quitter Londres pour Paris, où il va suivre les cours de Sylvain Lévy et avec lequel il se lie d'amitié, d'où le don qu'on aura par la suite à l'Institut de civilisation indienne. En 1914, Krishna Varma quitte Paris pour Genève, jusqu'où il réside, il réside jusqu'à sa mort en 1930. Le don donc, de la bibliothèque qui est fait par la veuve de Krishna Varma est accompagné en 1937 d'un legs financier qui utilisait ses formes de bourse pour des étudiants indiens qui désirent poursuivre leurs études indianistes à Paris. En 2002, les sommes vont être épuisées, mais le souvenir d'un lien franco-indien est conservé par la remise d'une médaille d'argent, l'effigie du pandit Krishna Varma,
Médaille remise à un indianiste français confirmé sur proposition du directeur de l'Institut. À l'époque, donc, l'Institut de civilisation indienne dispose d'une très grande salle ovale en Sorbonne qui permet donc à la fois d'accueillir les bibliothèques, les professeurs et les étudiants. Elle est par ailleurs décorée d'objets d'art népalais qui sont un don précieux fait par le général en chef Chandra Shamsher, qui est à l'époque le premier ministre du Népal. Lors de son premier voyage au Népal en 1897, Sylvain Lévy se lie d'amitié avec la famille royale, vous avez une petite image ici, et donc notamment le premier ministre. Et grâce finalement à ces relations très haut placées, Sylvain Lévy a collecté de nombreux manuscrits, des copies récentes sur papier de textes plus anciens ou des manuscrits anciens sur feuilles de palme, notamment un recueil de textes sur les doctrines shivaïtes daté du XVe siècle et un texte classique bouddhique intitulé « Perfection de sagesse en 8000 vers » avec des très richement peintes et daté des XIe et XIIe siècles. Donc ce sont les deux images du bas. Ce manuscrit est d'autant plus rare puisqu'il s'agit en fait d'un cadeau officiel du Premier ministre du Népal à la République française. Et donc ces deux manuscrits, à la fois le manuscrit bouddhique et le manuscrit shivaïte, ont été récemment restaurés, sont en cours de numérisation. Il faut ajouter qu'au niveau des collections de manuscrits de la bibliothèque, celle-ci conserve également une cinquantaine de manuscrits provenant d'Asie du Sud-Est et principalement de Thaïlande. Généralement plus récent, sans doute de la fin du XIXe siècle. Donc, à la création de l'Institut de civilisation indienne, Chandra Shamsher va décider d'offrir à l'Université de Paris, pour l'Institut, une cinquantaine d'objets d'art népalais, donc des statues en bronze de divinités hindoues et bouddhiques, des brûle-parfums, il y a des vases, des armes, mais aussi un coffret en bois de Saint-Al, etc. Donc là, je vous ai juste une image de l'une des plus belles pièces qui représente la reine Maya, donc la couchant du Bouddha. Caroline vous montrera ça plus en détail tout à l'heure. Et donc ces œuvres qui ornaient à l'époque la salle de la Sorbonne à la création de l'Institut sont toujours aujourd'hui exposées dans la salle de lecture de la bibliothèque. Dans les années qui suivent, la bibliothèque continue de s'accroître grâce toujours à des dépôts, des dons et les apports financiers qui permettent donc d'acheter les livres. Entre 1933 et 1935, on a plus de 900 ouvrages qui vont rentrer dans les fonds de la bibliothèque. Et en 1935, on a un peu un accroissement soudain du fait du décès à la fois de Louis Finot, donc lui qui est membre fondateur de l'École française d'Extrême-Orient et ancien professeur d'histoire et de philologie indo-chinoise au Collège de France, et la même année également le décès de Sylvain Lévy. Donc on a tout d'un coup plusieurs milliers d'ouvrages qui entrent dans les collections. La bibliothèque de Louis Finot est léguée en premier lieu à l'École française d'Extrême-Orient, mais mise en dépôt à l'Institut de civilisation indienne. Et en 1936, c'est l'Université de Paris qui va acquérir la bibliothèque de Sylvain Lévy pour l'Institut, ce qui va, nous disent les rapports d'époque, doubler l'importance des collections, ce qui peut imaginer le volume de la bibliothèque personnelle de Sylvain Lévy. Il faut également souligner qu'à cette période, les fonds ne sont pas limités à l'Inde ancienne, mais concernent également l'Inde et le monde indianisé contemporain, ce qui fait qu'on a effectivement des choses qui relèvent de langue et de littérature vernaculaire, entre autres. Les deux bibliothèques vont être inaugurées le 8 mai 1936, voilà, avec la photo à l'appui, donc en haut et sur le côté, la bibliothèque Sylvain Lévy, et en bas, je ne sais pas si c'est visible, la bibliothèque Louis Finot. Et donc en 1938, la bibliothèque de l'Institut, nous disent les rapports, contient 15 000 volumes, ce qui va en faire la plus vaste bibliothèque d'indologie en Europe continentale avec celle de la Société orientale allemande de Halle. Et donc à l'époque, on a essentiellement des textes sanscrits, pali, ainsi que sur le jainisme et le bouddhisme. Sa période d'avant-garde est encore marquée par une sorte de garden party, où on voit donc Jules Bloch au premier plan et Alfred Fouché au fond, donc il semble prendre un certain bon temps, si je puis dire. On n'a pas identifié tout le monde. Hein. Un peu plus tard, on va avoir Louis Renou, qui va en fait présider
aux destinées de l'Institut de civilisation indienne. Louis Renoux, qui est donc d'ailleurs ancien titulaire de la chaire de sanskrit grammaire comparée de l'Université de Lyon, à l'époque il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et fut l'un des maîtres des études védiques en France. Il occupe ses fonctions jusqu'à son décès prématuré en 1966. Et c'est surtout sous sa direction que va naître la collection des publications de l'Institut de civilisation indienne. Vous avez le premier volume ici en image. Ce premier volume, il est publié en 1955. Et il s'agit du premier volume des études védiques et paninéennes de Louis Renoux. Ces études comptent 18 volumes et contiennent une traduction partielle en français du Rig Veda, donc qui est le plus ancien texte connu pour l'Inde. La collection des publications de l'Institut de civilisation indienne est encore bien vivante. Elle compte aujourd'hui 82 volumes. Vous avez donc ici le dernier présenté, qui est un rapport sur les Tepe Naredj à Kaboul, rédigé par Zafar Paiman. Et d'une manière générale, ces publications vont traiter essentiellement des domaines de l'Inde classique, c'est-à-dire littérature, philosophie, histoire, religion, mais s'ouvrent également aux langues et littératures indiennes plus récentes et jettent également des ponts vers le monde iranien et l'Asie centrale. En 1969, on arrive à une crise puisque ça va être l'éclatement de l'Université de Paris, qui entraîne finalement des craintes assez vives sur la survie des instituts qui y sont attachés, ils sont nombreux. Et donc à l'époque, on a Olivier Lacombe, qui est professeur de philosophie indienne à l'École pratique et à la Sorbonne et qui est le directeur de l'Institut de civilisation indienne. Olivier Lacombe va accepter la proposition de Jean Filioza, qui est à l'époque le titulaire de la chaire indianiste du Collège de France. Donc la proposition est de transférer l'Institut de civilisation indienne de la Sorbonne au Collège de France, pour éviter finalement la disparition de l'Institut. Leur attachement finalement est assez compréhensible, puisqu'on sait, ça a été rappelé par M. Grenet, donc que la première chaire de sanskrit en Europe continentale a été créée au Collège de France en 1815 pour Antoine-Léonard Chézy. Donc l'Institut va connaître son premier déménagement, puisqu'il quitte sa salle historique de la Sorbonne, pour s'installer à la Maison de l'Asie, nouvellement créée, avenue du Président Wilson dans le 16e arrondissement à Paris. Elle rejoint ainsi la bibliothèque parisienne de l'École française d'Extrême-Orient. Et le rattachement au collège est officialisé en 1973. À ce moment-là, on a l'Institut des hautes études chinoises, l'Institut des hautes études japonaises, l'Institut de civilisation indienne, le Centre d'études tibétaines et le Centre d'études coréennes qui sont rassemblés dans ce qu'on appelle les Instituts d'Extrême-Orient du Collège de France et donc qui existent toujours. Au cours des années, le rôle de l'Institut se transforme du fait même de l'évolution des institutions de recherche, notamment avec les créations des équipes, des unités et centres du CNRS, la création notamment aussi de l'Institut français de Pondichéry en 1955 par Jean Filioza, et ces institutions finalement qui permettent le développement d'activités de recherche sur l'Inde contemporaine tendent à transformer l'Institut de civilisation indienne en une institution davantage consacrée à l'étude et enseignement du sanskrit et à la civilisation classique de l'Inde. En 1990, l'Institut de civilisation indienne va redéménager dans les locaux rénovés du site Cardinal Lemoine, donc dans le 5e arrondissement à Paris, où il est actuellement, avec l'ensemble des instituts d'Extrême-Orient. À l'époque, on a le professeur Gérard Fussmann, donc qui est titulaire de la chaire Histoire du monde indien, qui est nommé donc directeur de l'Institut l'année suivante, en 1991, et sous son mandat qui dure jusqu'en 2011, l'Institut connaît d'importantes évolutions quant à ses différents fonds et à ses activités. Le professeur Fussmann va poursuivre et relancer entre autres des partenariats avec des universités indiennes et étrangères pour l'accueil de chercheurs à Paris. Le fonds documentaire est accru par l'acquisition de bibliothèques de chercheurs indianistes réputés, on a notamment celle de André Barraud, la bibliothèque de Louis Renoux aussi, et une partie de celle de Madeleine Biardot, auxquels on peut ajouter deux fonds particuliers, le fonds de bibliothèque et d'archives de Pierre Reichert. Alors Pierre Reichert est un linguiste spécialiste de langue nouristanie d'Afghanistan. Également la bibliothèque d'Arion Rochou, qui lui était spécialiste de médecine indienne, de yoga et d'alchimie. C'est une bibliothèque qui compte environ 650 titres et de très nombreux tirés à part et qui est vraiment très précieuse pour les chercheurs du domaine. Parallèlement, Gérard Fussmann va également élargir le périmètre documentaire de la bibliothèque en ajoutant de la numismatique, en renforçant l'archéologie d'Afghanistan et du Pakistan
Et ces fonds vont être complétés par le don d'une grande partie de sa bibliothèque personnelle en 2011, notamment par des publications rares d'archéologues soviétiques qui fouillent en Asie centrale et en Afghanistan. Pendant cette période, il a également lancé une campagne d'inventaire, puis une numérisation des quelques 35 000 clichés photographiques qui ont été donnés progressivement par des chercheurs à l'Institut. C'est des photos qui sont sur... documentent différents sites d'Afghanistan, du Pakistan, du Népal et de l'Inde et ont été prises entre 1950 et 1995. Caroline va venir en détail sur ces fonds. Enfin, ajoutons que le professeur Fussman s'engage également dans la constitution d'une cartothèque de l'Inde. Il va recueillir ainsi environ 2700 cartes du territoire indien à l'échelle 1/50 millième et 1/250 millième. Soulignons enfin qu'afin d'uniformiser les noms des différents instituts et aussi de lever l'ambiguïté qui tournait autour du mot civilisation, l'Institut de civilisation indienne devient Institut d'études indiennes le 1er janvier 2001. Parallèlement, la collection éditoriale conserve le nom de publication d'Institut de civilisation indienne pour marquer finalement la continuité de la série. Le professeur Jean Kellens, qui était titulaire de la chaire de langue et religion indo-iranienne, a assuré la direction de l'Institut à la suite du professeur Fussman jusqu'en 2014. Et donc l'ouverture du monde indien vers le monde iranien et l'Asie centrale se poursuit aujourd'hui avec le professeur Franz Grenet, donc actuel directeur de l'Institut d'études indiennes. Aujourd'hui, cet institut connaît une nouvelle phase de son histoire. D'une part, il accompagne les évolutions technologiques. Une partie de ses fonds précieux, les manuscrits, les collections d'objets d'art, sont progressivement numérisés et mis en ligne, offrant ainsi une meilleure accessibilité aux chercheurs à des ouvrages fragiles et précieux. Et dans le même temps, l'Institut conserve une politique active d'acquisition de publications dans le domaine de l'indianisme, dont au moins 50% de livres sont édités en Inde, tout en élargissant ses fonds documentaires aux ressources électroniques, périodiques en ligne et livres numériques, afin, j'allais dire, de rester un outil de référence pour les études et recherches sur l'indianisme en France. D'autre part, le site, donc, ça a été évoqué, le site Cardinal Lemoine, qui donc, héberge actuellement les différentes bibliothèques des sciences humaines du Collège de France, va connaître une période de restructuration et de rénovation à partir de cet été pour offrir, ce que je pourrais dire, un nouvel écran aux différents savoirs à l'horizon de 2019. Vous avez ici les projections du nouveau site tel qu'il devrait être, on appelle donc ce qui sera l'Institut des civilisations avec une vue du jardin rénové et ici en bas une vue de ce que pourrait être la nouvelle salle de lecture des instituts d'Extrême-Orient. Donc ce site en principe hébergera dans de meilleures conditions à la fois d'accessibilité, de services et de conservation les différentes bibliothèques, chaires et laboratoires. Et donc pendant la durée des travaux, environ 2 ans et demi, dirons-nous, l'Institut d'études indiennes ainsi que les autres bibliothèques continueront leur activité sur un site transitoire, une sorte d'ermitage forestier, si je puis dire, dans le bois de Vincennes, propice à la recherche et à la méditation. Je vous remercie. Bonjour. Voilà. En complément des dons qui vous ont été donnés, qui sont donc des ouvrages matériels, je choisis de vous présenter la bibliothèque numérique qui vous permet, que vous soyez à Lyon ou ailleurs, d'accéder aux collections patrimoniales, notamment du Collège de France. Donc, je vous propose tout d'abord de voir la genèse de ce projet de bibliothèque numérique qui maintenant est à un stade très avancé. De faire ensuite un point plus précisément sur les ressources concernant les études indiennes et celles relevant de l'Institut d'études indiennes en particulier, sa photothèque, la collection d'objets d'art et les manuscrits, puis d'aborder les développements en cours sur cette plateforme numérique, les différents types de fonctions qui peuvent être développées et les perspectives. Donc, Salamandre,
Donc, le projet naît en 2011. Donc, initialement, dès 2009, l'ensemble des 16 bibliothèques du Collège de France s'associent en réseau et mutualisent un SIGBAC commun. Et à partir de 2011, il est décidé de valoriser, cette fois, les archives administratives et scientifiques du Collège de France, qui sont extrêmement riches. Donc, Salamandre, je lève le mystère, ce n'est pas un portail animalier dédié aux amphibiens, ni un acronyme compliqué. C'est un clin d'œil, un hommage à François Ier, qui était donc le fondateur du Collège de France. Donc, le projet est financé grâce au mécénat de la Fondation de l'Orangerie et développé à partir du projet ciel libre Pléiade. Donc, initialement, il y a vraiment deux aspects qui sont développés dans ce portail. C'est vraiment la mise en ligne d'inventaire d'archives et d'autre part, le volet documents numérisés. Donc, le format adopté, alors là, c'est plus le clin d'œil aux documentalistes qu'aux indianistes, et le format EAD, qui est un format XML qui est vraiment propre aux documents d'archives parce qu'il garde la structure archivistique. On navigue en fait dans les fonds comme on navigue dans un fonds d'archives. Donc à chaque granularité, donc on a par exemple on a le fonds Kretman qui est un fonds déposé à l'Institut des hautes études japonaises qui est composé de différents dossiers. Et donc on navigue dans ces dossiers. À chaque dossier est associé une petite notice qui explique le contenu et ceci jusqu'au document, voilà, jusqu'à l'échelle du document. Donc, on a une description brève, une notice plus ou moins développée en fonction des documents. Et lorsque le document est numérisé, ce qui est quand même l'autre volet très important de Salamandre, en cliquant sur la petite icône qui apparaît alors en bas de la notice, on actionne une visionneuse qui vous permet de consulter et de feuilleter un document lorsqu'il est en plusieurs folios. Numériquement. Donc là, en l'occurrence, avant d'aborder plus les études proprement indiennes, un document très pittoresque de ce fonds Kretman, qui est l'album Taiyasu 84, dédié aux monstres et aux prodiges de l'époque d'Edo. Mais nous allons quand même nous pencher plus sur les études indiennes. Donc pour ce qui est des études indiennes, dans le cadre de ce projet Salamandre, le volet archives à proprement parler, description de fonds, n'est pas celui qui est le plus développé. L'Institut d'études indiennes conserve plusieurs fonds d'archives scientifiques très importants, notamment ceux de Sylvain Lévy, Louis Renoux, une partie des archives de Madeleine Billardot et bien sûr celle de Gérard Fussmann, mais elles n'ont été déposées que relativement récemment au service des archives, donc il faut faire un dépouillement archivistique selon une norme spécifique pour ensuite pouvoir en publier l'inventaire. En revanche, on a été assez pionniers dans tout le volet numérisation et on fait partie des premières bibliothèques à avoir mis des documents en ligne. Et ceci notamment grâce à la convergence de deux projets, donc Salamandre, la bibliothèque numérique d'une part, et la numérisation de la photothèque de l'Institut d'études indiennes qui avait été initiée dès le début des années 2000 par Gérard Fussmann. Donc cette photothèque est extrêmement riche, elle comporte environ 35 000 clichés sur une grande variété de supports puisque cela va de photographies sur plaques de verre datant de la fin du 19e ou du tout début du 20e siècle jusqu'à des fichiers nativement numériques qui sont cependant plus rares. Donc voilà un petit panorama du contenu de notre photothèque. Donc certains fonds ont été mis en ligne sur Salamandre dès le début du projet. Donc en particulier le fonds dédié à l'archéologie du Pakistan, Gérard Fussmann, le fonds sur les chefs-d'œuvre du musée de Kaboul de Dominique Darbois. D'autres fonds sont en cours de traitement, comme le fonds sur l'Afghanistan ou les plaques de verre de la collection Sylvain Lévy. Mais ça, je vais y revenir. Ensuite, d'autres fonds seront traités et mis en ligne au fur et à mesure. Il y a d'une part des fonds qui sont numérisés, mais qu'il faut légender. Il y a tout un travail sur les métadonnées pour les mettre en ligne. Et d'autre part, des fonds qui nous ont été légués plus récemment, comme le fonds d'Hélène Dizerins, donc celui de Madeleine Billardot. Donc il faudra d'abord numériser les photos, puis faire les notices. Donc,
lorsque vous abordez donc Salamandre, vous avez les possibilités d'accéder soit à l'aspect navigation dans le fond d'archives en cliquant sur catalogue général, soit faire une sélection uniquement sur les documents numérisés en cliquant sur collection numérisée. Donc là, vous accédez à un petit formulaire. Donc vous avez la possibilité, de par la structure, de naviguer par fond d'archives, mais également de faire une recherche par mots-clés, puisqu'à la plateforme est associée un moteur de recherche fédéré permettant de faire une recherche dans toutes les données XML associées au document. Ensuite, de par la structure d'archives, si vous connaissez le fond auquel appartient le document recherché, ça peut être plus pratique de faire votre sélection. Voilà, donc là, en l'occurrence, on va avoir le fond Pakistan de Gérard Fussmann. Donc, par défaut, dans le volet collection numérisée, les documents s'affichent sous forme de vignettes. Mais si vous cliquez sur le titre d'une photo, vous accédez à sa légende et vous retournez dans la description archivistique du fond. Donc, en l'occurrence, pour les photographies du fond Pakistan, elles sont classées par région, puis par site archéologique. Donc, vous avez toujours la présence d'une vignette. Quand vous cliquez sur cette vignette, ça actionne une visionneuse qui vous permet d'accéder au document en haute résolution. Alors, c'est une résolution moyenne pour faciliter la navigation, mais il vous suffit de cliquer sur le petit triangle situé à côté de l'indication de résolution pour choisir la résolution originelle du document et l'avoir vraiment en très haute définition et ainsi pouvoir vraiment zoomer dans l'image, qui est particulièrement confortable, notamment pour tout ce qui est photos de documents épigraphiques, par exemple. Donc, un petit panorama de ce fond sur l'Afghanistan. Il est extrêmement varié. On y a conservé des photographies assez pittoresques. On ne s'est pas limité à l'épigraphie, avec notamment des photographies de paysages dans lesquelles on peut encore apercevoir des sites archéologiques, mais également des scènes de la vie quotidienne, la documentation de techniques traditionnelles, voilà, ou de documents liés à l'habitat contemporain vernaculaire. Bon, cela étant dit, bien entendu, la majorité de ce fonds photographique est dédiée à la documentation des grands sites bouddhiques du Pakistan, des grands sites gandhariens sur lesquels le professeur Fussmann a travaillé. Donc, par exemple, ici, le site de Taxila. Un autre volet intéressant pour les chercheurs dans ce fonds, dans cette documentation sur le Pakistan, ce sont tous les pétroglyphes bouddhiques, donc des inscriptions qui peuvent être dans différents systèmes d'écriture indiens, notamment, ou parfois plus centre-asiatiques, qui sont associés à des représentations de stupas, donc des reliquaires, en fait, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un stupa, d'hommes qui représentent la présence du Bouddha, ou des représentations de Bouddha et de Bodhisattva. Et donc, en fait, ce sont des motifs et des inscriptions qui ont été représentés sur les parcours des voies de pèlerinage le long de la vallée de l'Indus. Enfin, bien entendu, le professeur Fussmann s'était attaché à vraiment faire un recueil de toute la documentation épigraphique, de toutes les inscriptions, en particulier, bien entendu, quand il s'agissait de langue indienne dans les différentes régions du Pakistan. Donc, lorsque ces inscriptions sont publiées, la référence à la publication est mentionnée dans la notice, mais une grande partie de ce corpus est inédit. Donc, voilà pour un bref panorama du fond Pakistan, mais vous pouvez aller voir vous-même en ligne sur Salamandre. Un des autres fonds qui a été un des premiers versés est celui intitulé « Les chefs-d'œuvre disparus du musée de Kaboul », qui sont les photographies de Dominique Darbois. Donc, Madame Darbois nous avait confié en 2007 pour numérisation et mise à disposition des chercheurs l'ensemble de ses photographies sur l'Afghanistan, celles du musée de Kaboul prises dans les années 1960 d'une part, donc prises avant l'invasion russe et tous les événements qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, et celles concernant l'atlas linguistique de l'Afghanistan d'autre part. Donc, la classification du fonds adoptée ici reprend un peu le principe qui avait été choisi pour le fonds documentaire sur le Pakistan du professeur Fussmann, à savoir que les objets sont classés en fonction de leur provenance par région, puis par site archéologique. Donc quand même quelques photos
de ces photographies qui documentent les collections du musée de Kaboul. Donc, pendant plusieurs décennies, en fait, ces photos étaient le seul témoignage de ces objets qu'on pensait, on a longtemps pensé qu'ils avaient été disparu ou qu'ils avaient été détruits, d'où le titre donné au fond et à la publication dans laquelle ils sont parus, notamment dans l'ouvrage de Madame Tissot. Donc, on sait désormais qu'ils avaient été, en fait, cachés dans le palais présidentiel. Et donc, ils sont revenus à jour quand les choses se sont plus ou moins calmées dans la région. Et donc, ils ont fait depuis l'objet d'une exposition itinérante. On a pu les voir au musée Guimet. Et ils ont rejoint depuis les galeries du musée de Kaboul. Cela étant dit, cela reste très intéressant d'avoir la documentation en ligne, puisque c'est une documentation complémentaire de celle du musée Guimet en particulier, puisque la plupart de ces objets sont issus des fouilles de la délégation archéologique française en Afghanistan, dont les produits ont été partagés entre le musée de Kaboul et le musée Guimet. Cela étant dit, il y a une partie de la documentation et des objets qui n'est jamais réapparue, c'est la numismatique. Et dans ce contexte, les photographies de Madame Darbois restent le seul témoignage à ce jour des collections numismatiques. Donc certains archéologues espèrent qu'elles aient pu être, comme les autres objets, cachées et attendent de sortir en attendant des jours meilleurs. Mais bon, il est fort possible qu'elles aient été pillées ou qu'elles aient été tout simplement détruites. Donc voilà. Et pour ce qui est... voilà. Alors, ça, ce n'est pas les photos qui sont en ligne sur Salamandre. Ça, c'est le chantier en cours sur les plaques de verre de la collection Sylvain Lévy. Et c'est nos petites photos pendant le récollement. Donc, ça ne sera pas du tout comme ça que cela va apparaître, mais c'est juste pour vous donner un aperçu du type de document. En fait, ce sont des photos... Donc, il y a quelques photos couleurs même sur plaques de verre qui datent entre 1898 et 1930. Qui sont liées essentiellement à la personnalité de Sylvain Lévy et qui documentent d'une part la création des grandes institutions en Asie à l'époque, mais également des sites archéologiques en Inde, en Asie du Sud-Est, au Népal, voire des scènes de la vie quotidienne dans les grandes villes indiennes et au Népal. Donc là, ces plaques ont été confiées pour numérisation à une société spécialisée dans ce type de support. Et ça devrait être l'un des prochains fonds mis en ligne. Et ça sera bien meilleur que ce que vous voyez là. Et le deuxième fonds que nous mettrons prochainement en ligne, c'est cette fois la documentation archéologique sur site de l'Afghanistan, qui sont les photographies prises par Marc Lebert, qui était donc appartenu à la délégation archéologique française en Afghanistan, et par Gérard Fussman. Et en l'occurrence, ça, ce sont les vrais trésors perdus de l'Afghanistan, puisque la plupart des sites ou des monuments que vous voyez ici, notamment les sites sublimes de Hada, eux, sont détruits aujourd'hui. Donc c'est tout ce qu'il nous reste de ces vestiges. Donc pour nous remonter le moral après l'Afghanistan, En ce qui concerne les collections de l'Institut d'études indiennes, outre la photothèque, donc comme l'indiquait Ronan, nous conservons une collection d'environ une cinquantaine d'objets d'art qui proviennent pour l'essentiel du Népal et qui avaient été collectés par l'intermédiaire de Sylvain Lévy, qui était un grand diplomate, et notamment par les dons de Chandra Shamsher. Donc cette collection a fait l'objet d'une campagne photographique et d'une étude pour être mise en ligne donc, sur Salamandre. Donc là, voilà la notice descriptive. Ah non, c'est pas ça. Ah si. Du fond. Donc le lac Sylvain Lévy complété par des dons Curiel et du professeur Fussman et d'Anne Vergati. Donc la classification adoptée ici n'a pas été par région, puisqu'en fait les documents sont assez hétéroclites, on n'a pas forcément des indices très clairs sur leur provenance. Donc le professeur Fussman avait choisi d'adopter une classification typologique. Donc ça commence par les différentes armes extrêmement variées et typiques de l'Asie du Sud, toute une gamme de poignards, de boucliers. Donc nous avons en magasin des lances et des boucliers. Nous sommes tout à fait parés pour toute éventualité.
Différents types d'objets relevant plus du domaine des arts décoratifs, des coffrets en ivoire, des coffrets en orfèvrerie ou en bois de santal, mais également ce grand coffre qui est en fait un coffre à manuscrits qui provient d'Asie du Sud-Est et nous a été légué par Louis Finot et qui a conservé jusqu'à une époque extrêmement récente la collection de manuscrits pali de l'Institut d'études indiennes. C'était en fait le conditionnement traditionnel des manuscrits. Nous avons ensuite, qui orne actuellement la salle de lecture, des éléments, des reproductions d'architecture traditionnelle népalaise en bois, mais aussi des images pieuses qui illustrent. Donc, ce sont des objets d'assez grand volume et qui illustrent notamment les talents d'orfèvre de la population néoire de la vallée de Katmandou. Des objets rituels, notamment hindous, qui portent parfois des inscriptions. Évidemment, nous avons mis sur Salamandre énormément de photos du fleuron de notre collection, qui est cette statue qui fait à peu près un mètre de haut et qui montre la reine Maya donnant naissance au Bouddha. Donc, si vous regardez bien, c'est une naissance très particulière puisqu'il sort de son flanc. Le Bouddha ne naît pas comme nous. Donc ensuite, tout un ensemble d'images religieuses. Il y a quelques images hindoues, mais elles illustrent essentiellement le panthéon bouddhique, en particulier le bouddhisme tantrique. Donc la plupart de ces images sont encore visibles dans la salle de lecture. Et si vous ne pouvez venir à Paris, vous pouvez les voir sur Salamandre. Donc l'étude a souligné que beaucoup d'entre elles, en fait, comportaient des inscriptions qui n'avaient pas été soulignées lors des études antérieures, notamment par Marie-Thérèse de Malman. Donc, il y a une deuxième campagne de photos, plus précisément dédiée à ces inscriptions. Elles ont fait l'objet d'une étude par le professeur Fussmann en collaboration, comme il s'agissait d'inscriptions sanscrites, mais parfois avec des mots néwari, avec l'équipe de Heidelberg du professeur Michel, ce qui est plus spécialisé sur le Népal. Donc, ensuite, on va venir directement peut-être à ce qui intéresse plus les sanskritistes, que sont les manuscrits. Donc, comme l'indiquait Ronan, l'Institut d'études indiennes conserve environ 150 manuscrits, donc environ 70 manuscrits qui proviennent du Népal et qui sont des manuscrits sanskrits qui ont été collectés par l'intermédiaire de Sylvain Lévy. Donc, soit des copies sur papier népalais, soit des manuscrits nativement sur Ol. On a aussi une collection de manuscrits pali et de manuscrits dans les différentes langues vernaculaires de l'Asie du Sud-Est. Donc, le fond sur lequel nous avons travaillé prioritairement est le fond sanskrit, celui qui provenait du Népal. Et donc, en fait, sur les 70 manuscrits de ce fond, 7 ont été numérisés et 4 sont intégralement en ligne. Donc, la sélection, en fait, de ces manuscrits s'est faite assez naturellement en fonction des corpus de recherche des équipes qui nous ont contactés pour des reprographies puisqu'ils travaillaient sur tel ou tel type de texte. Donc, le premier document qui a été numérisé s'intitule le Népalo Rajako Vamshavali. C'est une généalogie des rois du Népal. Le manuscrit est relativement récent puisque c'est un manuscrit du 19e siècle, mais il s'avère que c'est un des manuscrits les plus anciens pour ce texte. Donc, il nous avait été demandé par l'équipe d'Heidelberg, justement l'équipe d'Axel Michels, dans le cadre d'une étude des corpus sur les généalogies du Népal. Et donc, le type de partenariat sur lequel nous nous sommes entendus a servi de modèle pour tous les partenariats qui ont suivi. C'est-à-dire, nous acceptions de mettre à disposition gratuitement de l'équipe de recherche les reprographies des manuscrits en échange de la rédaction d'une notice pour Salamandre, qui était suivi ensuite par la mise en ligne du manuscrit et de la notice, et également de la publication où le manuscrit est traité pour la bibliothèque. Donc là, vous avez la notice brève qui décrit le manuscrit, mais vous avez la possibilité d'avoir une analyse plus détaillée en français ou en anglais, qui était la langue dans laquelle le professeur Michel nous avait communiqué son analyse. Et évidemment, la petite vignette qui vous indique que le document est numérisé. Et lorsque vous cliquez, vous pouvez le feuilleter. Donc voilà le frontispice qui est orné. Et voilà, sous
pouvez le sachant que c'est un document qui est très fragile, si vous l'aviez entre les mains, vous ne pourriez pas le lire aussi facilement. Et toujours, en fait, donc une résolution moyenne pour permettre une plus grande fluidité de navigation, mais toujours la possibilité de sélectionner la résolution originale, qui est ici en très très haute définition, puisque ça a été fait, celui-là a été reproduit par les services photographiques du Collège de France. Et donc là, ça vous permet vraiment de zoomer dans le texte, ce qui est un confort pour la consultation des manuscrits, qui est bien supérieur à ce que vous auriez si vous aviez le document physique entre les mains. Et ceci chez vous, sans vous déplacer. Donc, pour ce qui est actuellement en ligne, les trois autres manuscrits appartenaient au corpus d'un jeune chercheur de l'Université de Monash en Australie, Yann Sinclair, qui s'intéressait quant à lui plutôt au bouddhisme népalais à des périodes de plus récentes. Donc, il s'agit pour le premier manuscrit des règles qui régissent les castes bouddhiques au Népal. Le second est une liste de noms de lieux saints, donc une liste de toponymes, mais qui aussi mentionne le nom des divinités en Ewari. Donc, ensuite, ça aussi, c'est un document récent, mais qui présente l'intérêt d'être unique. Et enfin, le dernier document, les Devata Paripurnam, c'est un manuel illustré de dévotion aux cinq Bouddhas transcendantaux. Donc, pour ce qui est des autres manuscrits numérisés, le prochain qui devrait être mis en ligne, c'est ce manuscrit sur Hall, donc le Sarva Buddha Samayoga Dakinijala Samvara, qui est un manuscrit qui a été identifié par Arlo Griffiths comme étant un fragment original sanskrit d'un texte qui n'était connu jusqu'ici que par sa traduction tibétaine. Donc, il a déjà été numérisé. Donc, Monsieur Griffiths est en train d'en réaliser l'étude et normalement une publication devrait sortir prochainement. Et nous n'attendons plus que sa notice pour le mettre en ligne sur Salamandre. Nous allons lui écrire prochainement à ce sujet. Voilà. Parce que maintenant, il est chercheur à l'École française d'Extrême-Orient, mais il est à Lyon. Donc, j'aurais voulu lui faire un signe. Donc, je me transmettrai. Donc ensuite, là, c'est les prochains manuscrits. Là, ce sont les manuscrits en cours de numérisation. Donc nos manuscrits les plus anciens, notamment cette Perfection de sagesse en 8000 vers, qui date du XIe siècle. Donc c'est des manuscrits qui ont été traités dans un second temps parce qu'il fallait préalablement procéder à leur restauration. Donc c'est chose faite et ils ont été confiés donc, à une société spécialisée dans les documents particulièrement fragiles, les documents patrimoniaux, Arcanum, pour numérisation. Donc nous avons d'une part voilà, cette perfection sagesse en 8000 vers. Donc le texte date du début de notre ère, notre manuscrit quant à lui du XIe siècle, mais pour les manuscrits sur feuille de palme, c'est une date particulièrement haute. Et par ailleurs, ce manuscrit présente l'intérêt d'avoir vraiment des peintures d'une qualité exceptionnelle sur ces ais qui représentent à la fois les Bouddhas transcendantaux, les allégories des perfections de sagesse, des scènes des vies antérieures du Bouddha, et qui sont caractéristiques de l'art de la dynastie Pala, dont on ne connaît les peintures finalement que par les... qui étaient vraiment très très importantes et qui influençaient tout le monde himalayen, mais dont les peintures ne sont connues que par les peintures de manuscrits. Et enfin, le second texte qui est plus important peut-être là quant à son contenu, qui est le Shiva Dharma, donc un corpus de textes relatifs à la doctrine shivaïte, qui est assez atypique en fait dans ce courant religieux, et donc qui fait l'objet de nombreuses études. Donc là, on n'attend plus que le retour de la numérisation pour confier les clichés aux chercheurs qui nous en feront l'analyse pour Salamandre. Donc rapidement, un point sur les fonctionnalités du portail. Lorsque vous naviguez, vous avez la possibilité d'imprimer les documents en cliquant sur la petite icône en forme d'imprimante. Vous pouvez également les exporter sous forme de PDF. Lors de votre navigation, vous cliquez sur la petite icône en forme de panier. Vous pouvez en sélectionner plusieurs au cours de votre navigation. Ensuite, vous revenez à l'accueil en cliquant sur l'icône en forme de maison, votre sélection. Vous sélectionnez les documents et en cliquant sur la petite icône qui symbolise l'export PDF, vous pouvez exporter votre document en PDF.
Donc ensuite, pour, il est possible d'avoir d'autres formats, mais pour cela, il vous suffit de contacter le service des archives du Collège de France qui gère la plateforme Salamandre. Donc à l'adresse suivante, très simple à retenir, archives au pluriel, @collège-sans-action-2-france.fr. Donc la fourniture des documents est gratuite, sous réserve qu'ils soient demandés à un usage de recherche et pas un usage commercial. La seule restriction est que soit fait apparaisse sur toute reproduction la mention Collège de France Service des Archives ou Collège de France Institut d'études indiennes en fonction des documents. Ensuite, s'il s'agit d'autres usages, il faut là s'adresser directement au service des archives pour voir les conditions d'utilisation. Donc, par ailleurs, avant la mise en ligne, pour travailler sur un corpus, il est possibilité d'avoir des accès réservés sur Salamandre, et c'est notamment un des usages qui a été utilisé pour un des fonds où les chercheurs n'étaient pas sur Paris, le fonds Capitan. Donc, les documents étaient mis en ligne en accès restreint. L'équipe de chercheurs pouvait les consulter pour pouvoir en rédiger les notices. Et bien entendu, à l'issue de ce travail, les choses ont été mises en ligne, puisque c'est quand même l'objectif de la documentation du Collège de France. Les données, donc ça c'est encore plus pour peut-être l'aspect doc, les données sont moissonnables en OAI PMH. Elles sont déjà moissonnées par Gallica, Europeana, l'INSERM, donc on suppose que c'est les cahiers de Claude Bernard qui était titulaire de la chaire de médecine, parce qu'on ne sait pas pourquoi sinon. Et donc en fait il y a différents entrepôts de moissonnage en fonction du format demandé, si c'est de l'EAD, du demi-corps, ou, enfin ça c'est plus des problématiques de documentation. Mais bon, dans tous les cas, pour moissonner ces données, pour avoir les adresses des entrepôts, il suffit de contacter le service des archives, donc ils vous donneront tous les identifiants. Également, il faut les contacter pour planifier les moissonnages, parce que bon, les métadonnées sont extrêmement riches, mais si plusieurs personnes se mettent à moissonner en même temps, ça fera tomber nos serveurs, donc il faut planifier. Voilà. Et donc, prochainement... la prochaine étape, c'est la mise en ligne de documents audiovisuels. Ce module est en cours de développement par l'équipe qui développe le portail. Mince, j'arrive pas à... qui développe le portail Pléiade. Et donc, je voulais vous montrer, en fait, on a fait numériser des vieilles bobines des années 20 qui avaient été collectées par Sylvain Lévy. Et je vous avais apporté un extrait, mais évidemment, je n'y arrive pas. Ah, voilà. Voilà. Donc, en fait... Effet démo. Ça marchait tout à l'heure. Donc ça soit en pause. Et ça fonctionnait tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave. Non, mais voilà, c'est parce qu'il fait des trucs tout bizarres. Donc on avait fait ça tout à l'heure. Donc du coup, vous devrez attendre que le module soit développé pour pouvoir voir les films que nous avons numérisés, qui sont déjà numérisés. Donc en fait, on a redécouvert grâce à cette numérisation des films qui avaient été tournés en 1920 à la demande de Sylvain Lévy et qui illustraient un rituel tantrique bouddhique. Donc il ne se situe pas dans le sanctuaire, on a demandé à un officiant de sortir et de reproduire tous les gestes rituels avec les objets, etc. Donc, les notices sont en cours de réalisation par Madame Bergati, qui est une anthropologue spécialisée sur le Népal. Parallèlement, la possibilité de mettre en ligne des films est en train d'être développée sur Salamandre. Donc, voilà pour ce que vous pourriez trouver sur Salamandre. Juste petite parenthèse, il y a les ressources également numériques du collège, qui là sont en aspect plus restreint, ce qui est sur Salamandre, c'est vraiment ouvert à tous.
Et ensuite, les cours des professeurs, donc les cours du professeur Grenet, également une partie des cours du professeur Fussmann, sont en ligne, soit sous forme audiovisuelle, soit sous forme uniquement film. Enfin, voilà. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces trois interventions très intéressantes. Et là, on a 10 minutes d'échange pour des questions, si vous voulez, aussi sur les fonctionnements de Salamandre, etc. Donc, sentez-vous libre. On est en petite famille. Donc, qui veut poser une question ? Michel ? Oui, pour lever toute ambiguïté, la mise en ligne des cours, ce n'est pas lié à Salamandre et ce n'est pas spécifique au Collège de France, bien évidemment. C'est pas spécifique à tous les cours du Collège de France. Tous les cours du Collège, tous les cours du Collège sont en ligne. Simplement, il y a, je crois, à vrai dire, j'ai jamais vraiment eu la curiosité de regarder mes propres cours, mais il y a un petit délai, évidemment, entre, je ne sais pas exactement à partir de quel est le décalage de temps entre le moment où le cours est donné et le moment où on commence à pouvoir le podcaster. Peut-être ça commence, peut-être il y a le délai d'un an, peut-être ça se, on peut commencer à les avoir en cours d'année. Oui, il y a un délai, je crois qu'il y a un délai de quelques semaines. Mais c'est tous les cours du collège. Ah oui, tout à fait. Et c'est d'un accès extrêmement facile, puisqu'il suffit de cliquer le nom du professeur. Ça marche très bien. J'ai jamais regardé. Ah, moi aussi. Quand on ne veut pas aller à Lyon tous les jours, à Paris, pardon. Oui, Alors après, par contre. Oui, une petite précision à propos des cours podcastés, c'est que délibérément, mais ça c'est un choix de l'administration, et c'est quand même un inconvénient, ce qui se passe sur l'écran est peu utilisable et peu visible, mais ça c'est pour les histoires de copyright. Bon, il se trouve malheureusement qu'il y a un certain nombre de cours, dont ceux de Gérard Fussmann, dont le mien, passent pas le... C'était pas le cas des cours de Jean Kellens, mais... Où le cours est inintelligible sans le support visuel. Donc là, c'est un petit peu... C'est quand même un petit peu... On a le rituel. Bon, après, c'est très répétitif. Hein, c'est juste... voilà. Et surtout que ça a été... Ça fait... je ne sais pas combien... Ben, ça doit faire près de 90 ans que ces films étaient dans notre bibliothèque et on ne pouvait pas les consulter. Là, on a pu les numériser. C'était vraiment des vieilles bobines. Donc, du coup, on a pu découvrir ce qu'il y avait. Là, c'était des petits films, il y en avait une vingtaine. Et c'est juste un extrait et qui avait été envoyé au professeur Sylvain Lévy. Et ensuite, on a trouvé d'autres choses donc, qui proviennent de l'Inde, puisque c'était le commanditaire était indien, mais qui en fait sont des vues de Paris. Et par contre, c'est très intéressant, on voit l'ancien palais du Trocadéro, donc il se promène en calèche dans Paris, mais voilà, ce sera peut-être mis en ligne aussi plus tard. Sur Paris. En fait, c'est la sélection des goudras. Oui, tout à fait. Et qui l'a fait... On attend que madame... Donc on attend normalement une métisse, mais... Après, je ne sais pas si vous voulez voir tous les moudras. Hein, voilà, c'était juste... Voilà. Donc,
Donc je remercie vraiment très sincèrement toutes les personnes ici présentes. Vous avez bien compris que c'est un événement important et une concrétisation d'un projet qui a mis un peu plus d'un an. Et donc nous sommes très heureux de vous avoir ici parmi nous et de nous avoir fait l'amitié de venir pour, pour l'occasion. Je ne mentionnerai pas chacun nommément pour l'instant, je mentionnerai quelques personnes à la fin, parce que je voudrais essayer de partager avec vous autant de choses qu'il est possible en une quinzaine de minutes. Comme il est annoncé sur le programme, nous allons vous présenter Basile Leclerc et Laurence Vialaron et moi-même l'histoire de l'indologie à Lyon par ses deux extrémités, celle d'un passé récent et celle de la création d'une tradition. Nous allons esquisser aussi quel futur nous espérons construire durablement pour cette discipline et quels enrichissements elle peut apporter aux étudiants et à l'université. Pour le développement de l'indologie dans un passé récent, heureusement ou malheureusement, c'est une question de point de vue, je peux vous en donner une idée assez précise puisque je suis en poste depuis plus de 20 ans maintenant. Comment tout a-t-il commencé ? Par une succession de chances, dont trois ont été majeures. La première a été ma découverte du sanskrit à Strasbourg, grâce au professeur qui l'enseignait alors, M. Fussmann, dont vous avez déjà entendu plusieurs fois parler, dont j'ai été la dernière élève avant sa nomination au Collège de France. Je n'aurais jamais imaginé à quel point cette rencontre allait être décisive. Mais depuis, j'ai souvent eu l'occasion de constater l'importance du lien qui se noue entre un professeur et un étudiant. C'est ce qui fait aussi mon attachement à cette profession. En effet, récemment, je lisais l'introduction au choix d'articles de Gérard Fussmann, publié dans la série de l'École française d'Extrême-Orient en 2014, et j'étais frappée par le passage suivant dont je vous lis un extrait. « Depuis mes années de collège, je voulais être helléniste, plus précisément archéologue de la Grèce. » Les caïmans de l'ENS, fort bien renseignés, m'incitèrent fortement à suivre les cours de Louis Robert. Ce fut un éblouissement. L'étendue et la variété de son savoir, sa compréhension des paysages et des gens, son sens de l'histoire, furent pour moi une révélation. Mutatis mutandis, puisque je n'ai pas la prétention de ressembler à ce savant, je peux dire sans hésitation que les cours de M. Fussmann ont été une révélation et un éblouissement qui m'ont conduit à choisir la profession que j'exerce aujourd'hui. Et pour vous convaincre que ce ne sont pas de vains mots, je vous raconterai deux détails de cette période. Le premier est en partie lié au temps qui passe. En effet, j'ai tout oublié des bâtiments de l'Université de Strasbourg, Marc Bloch, et j'ai dû chercher une image pour préciser mon souvenir. Mais je vois encore en mémoire, comme si c'était hier, la petite salle où M. Fussmann nous faisait cours. Elle devait à son histoire particulière d'être réservée à l'enseignement du sanskrit et d'être tapissée de livres sur tous ses murs. Le second détail tient à la manière dont M. Fussmann a commencé son cours de sanskrit. Tout de go, il nous a dit de ne pas compter sur lui pour nous enseigner cette discipline dans la perspective de la grammaire comparée. Il voulait enseigner le sanskrit comme une langue à part entière et comme le véhicule d'une civilisation spécifique. C'était là pour moi un début bien surprenant. En effet, l'idée que j'avais alors du sanskrit grâce à un enthousiaste professeur de lettres classiques de collège était avant tout sa connexion linguistique avec le latin et le grec et son affiliation avec le hindi. C'est ce que vous pouvez voir à peu près par ici. En revanche, je ne savais absolument rien du monde qui lui était lié, littérature et religion, et j'ai essayé de vous en donner un aperçu par ici. Donc, vous voyez, on a parlé tout à l'heure, Veda et Mahabharata, et par exemple encore des manuscrits de religions différentes, bouddhiques et jaina. C'est donc à un univers fascinant et à une foison de textes inexplorés que M. Fussmann nous a introduit avec sa curiosité et sa vivacité. Et, de découverte en découverte, j'ai choisi de continuer dans cette voie. La seconde chance que j'ai eue a été d'obtenir une bourse d'études en Allemagne après l'agrégation. J'ai ainsi pu compléter ma formation et me spécialiser dans l'étude du jainisme
et dans l'analyse précise de textes prakrit avec le professeur Adelaïd Met. Et ce que j'ai particulièrement apprécié durant cette période a été l'accès direct au livre et la liberté avec laquelle je pouvais aller et venir dans l'Institut. Après cette période enrichissante en Allemagne, j'ai aussi eu l'opportunité d'aller en post-doc à la School of Oriental and African Studies de Londres, ce que vous voyez donc le bâtiment à droite, et de travailler au complément d'un dictionnaire de référence comparant les mots des langues indiennes anciennes et modernes. La troisième chance a été ma nomination sur le poste de maître de conférence qui se libérait à Lyon en 1994. Je n'étais encore jamais venue dans cette ville et je ne savais pas que j'allais m'y installer pour longtemps. Ce que je savais en revanche était que je voulais faire partager les trois passions que l'on m'avait transmises, passion de l'enseignement, de l'ouverture à l'international et des livres. Mais comment procéder ? En effet, l'indologie était alors une annexe des lettres classiques et de l'histoire, les livres étaient peu accessibles et les possibilités pour les étudiants d'aller faire des études indiennes dans un programme Erasmus étaient tout à fait inexistantes. Cependant, j'en étais persuadée, Lyon avait le potentiel, deuxième ville universitaire de France, une situation géographique privilégiée, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, et une riche tradition en indologie. Et les étudiants étaient très motivés. L'un d'entre eux est juste là, ici, et vous allez l'entendre parler. Pour ce qui est des choix et des adaptations que j'ai faites pendant ce temps, je serai bref sur les débuts tâtonnants, oublierai les difficultés accumulées et me concentrerai sur les convictions partagées qui ont permis d'aboutir à l'événement unique que nous célébrons aujourd'hui. Pour ce qui est de l'enseignement, il m'a semblé qu'il fallait l'adapter au public des étudiants de Lyon et d'œuvrer dans deux directions. Former d'une part des spécialistes de l'Inde, ce qui était ma vocation, mais d'autre part des professionnels qui pourraient appliquer à tel ou tel domaine de spécialité leurs connaissances sur l'Inde. Ainsi, par exemple, des géographes, etc., de manière à ce qu'ils puissent avoir des connaissances précises. Mais dans ce but, il fallait regrouper les options de sanskrit et de culture qui étaient rattachées l'une aux lettres classiques, l'autre à l'histoire, de manière à ce que les étudiants puissent accéder à un enseignement cohérent sur le monde indien et non pas dispersé. Cela a été réalisé dans le cadre de ce qui était appelé mineur en 1998, puis unité d'enseignement d'ouverture à partir de 2002. Par ailleurs, pour conjuguer la double orientation, Inde classique et Inde contemporaine, il était nécessaire de créer un enseignement de Hindi qui viendrait compléter l'enseignement sur l'Inde contemporaine. Et cela a été obtenu en 2002. Quelques mots à présent sur les livres qui sont au centre de l'événement d'aujourd'hui. À mon arrivée à Lyon, je m'étais rendu compte que la bibliothèque contenait un riche fonds ancien et qu'elle avait non seulement des collections entières rassemblant les œuvres de pionniers en Inde et en Occident, ainsi les Bibliotheca Indica, les Kavyamala, les Harvard Oriental Series, les Mémoires de l'Archaeological Survey of India, mais aussi des ouvrages isolés qui étaient répertoriés selon leur numéro d'inventaire, de sorte qu'ils n'étaient visibles que si on connaissait leur existence. C'est pourquoi, de manière à favoriser l'accès des étudiants curieux aux ressources bibliographiques sur l'Inde, j'ai obtenu en 1997 l'accord du directeur du SCD de collecter les fiches durant l'été dans le but de constituer un fonds spécialisé. C'est ainsi que j'ai recensé toutes les fiches et les ai photocopiées. Vous pouvez avoir un aperçu de ce travail avec une des diapositives. Donc vous voyez, certaines écrites à la main qui montrent l'ancienneté aussi dans les fonds et d'autres après tapées à la machine. Ce que je voulais montrer aussi, vous voyez que l'une des dernières pages que j'ai scannées, c'est la page 1153,
ce qui fait qu'à raison de 4 à 6 fiches par page, cela faisait un ensemble d'environ 5000 ouvrages qui existaient. Je crois que je caressais en partie le rêve de recréer un environnement semblable à ceux que j'avais connus à Strasbourg et en Allemagne. Mais il fallait différentes autorisations administratives dont je ne mesurais pas toute la complexité à l'époque. Nous étions pourtant en passe d'aboutir lorsqu'en 1999, depuis Münster, où j'étais pour une conférence, j'ai entendu avec effroi la nouvelle que la bibliothèque avait disparu dans les flammes et qu'une partie des livres sauvés avait été noyée par les eaux. 3/4 des ouvrages sur l'Inde étaient perdus. Les survivants ont d'abord été envoyés à l'ENS avec les autres livres, puis, à la suite d'un accord entre les présidents des deux établissements, dans la mesure où notre université est la seule sur le site lyonnais à offrir un enseignement en langue et culture de l'Inde, ils sont revenus à Lyon 3. Et ils ont été intégrés dans le fonds Rubensel avant d'être transférés depuis l'année dernière à la MILC, où ils sont aujourd'hui en libre accès. Si pour l'enseignement sur l'Inde à Lyon, il me semblait souhaitable de couvrir autant l'Inde contemporaine que l'Inde ancienne, pour la recherche, il me paraissait au contraire nécessaire de bien circonscrire le domaine de spécialité. En effet, il ne s'agissait pas de dupliquer les spécialités existant à l'INALCO, à l'EHESS, à l'EPHE ou à Paris 3, si l'on voulait créer un centre visible et viable. Par conséquent, étant donné ma formation et le fonds existant à Lyon, j'ai choisi de resserrer le champ de recherche autour de textes indiens, non pas classiques, mais médiévaux. C'était et reste un terrain encore largement inexploré. Or, ce champ d'études permet non seulement d'éclairer un pan négligé de la culture indienne, mais il permet aussi de nuancer les apports attribués abusivement à la période coloniale. Deux exemples suffiront à illustrer mon propos. Par exemple, il a été dit et répété que le terme d'hindouisme avait été créé durant la période coloniale et qu'il n'y avait pas de conscience d'appartenir à un groupe dit hindou durant la période médiévale. Or, un examen des sources Jaina du XIVe siècle m'a permis de montrer que ce terme d'hindou, avec sa connotation religieuse, existait bel et bien dès cette époque. Un autre exemple. On lit encore fréquemment dans les histoires de la littérature mondiale que le genre du roman n'est apparu en Inde qu'au XIXe siècle, sous l'influence des modèles britanniques. Or, l'examen d'œuvres indiennes montre que dès le 8e siècle de notre ère, il existe déjà en Inde des romans véritables dont la complexité et la modernité ne le cèdent en rien aux œuvres du XIXe siècle. On pourrait multiplier les exemples montrant à quel point les textes médiévaux sont riches et peuvent éclairer l'Inde contemporaine. Pour autant, ce n'était pas un choix évident en notre époque troublée, où la tendance porte à choisir des études plus rapides qui ne nécessitent pas la patience que requiert la maîtrise des sources premières. Mais j'étais convaincue, et vous avez vu aussi M. Wirth ce matin, qu'il fallait aller à contre-courant d'une mode fâcheuse et faire pour l'indologie lyonnaise le pari risqué de la philologie si l'on voulait garder cette expertise qui était reconnue à la recherche française. Et à différents niveaux, plusieurs acteurs de Lyon 3 ont partagé mes convictions et permis l'épanouissement de l'indologie et les résultats pour lesquels notre université est remarquée aujourd'hui. Monsieur le Président Jacques Combi et son équipe ont permis notamment plusieurs créations essentielles. La création en 2013 d'un master LCER Parcours Indologie en collaboration avec l'Université de Lausanne. La création en 2014 d'un poste de maître de conférence en sanskrit et littératures indiennes.
Ces deux créations, qui rendaient visible et attractive l'indologie lyonnaise, ont entraîné rapidement plusieurs autres conséquences. Les étudiants viennent à présent à Lyon, dès la première année de leurs études, avec l'objectif de suivre cette formation spécialisée. Par ailleurs, l'existence d'un master a permis le rayonnement sur le site lyonnais. Ainsi, depuis 2 ans, nous collaborons avec la Villa Gilet et nous organisons des événements conjoints lors de la venue de professeurs ou d'auteurs indiens. Ce sont aussi l'existence du master et la création du poste de maître de conférence qui ont attiré l'attention de M. Arlo Griffiths, dont vous avez entendu mentionner le nom précédemment, et on lui rappellera qu'il faut qu'il fasse sa notice, membre de l'École française d'Extrême-Orient, et l'ont décidé à venir donner des cours subventionnés par son institution pour renforcer notre master. Les forces ainsi associées permettent la création d'un centre de recherche unique, dont je vous préciserai un tout petit peu les spécificités ensuite. Et c'est ce dynamisme ainsi créé qui m'a poussé à écrire... qui m'a poussé à écrire sur la suggestion de M. Fussmann à M. Grenet. Donc, vous avez déjà vu M. Fussmann, mais donc là, vous le voyez avec son travail, sa leçon inaugurale, ainsi que M. Grenet que vous avez devant vous, pour demander si, à la faveur du déménagement prochain des collections de l'Institut d'études indiennes, il accepterait de donner les doublons de la collection parisienne à l'Université de Lyon 3. Et la suite, vous la connaissez, M. Grenet lui-même l'a évoqué. M. Grenet a tout de suite répondu favorablement à cette demande. M. Marc Martinez et Mme Émilie Barthet et toute l'équipe des bibliothèques parisiennes et lyonnaises, Caroline Ribérega, Ronan Moreau, Odile-Julien Cottard, Nathalie Caritou, Laurence Vialaron et Claire Davy, ont été enthousiastes et ont contribué à mener rondement le projet. Et vous imaginerez sans peine quelle a été notre émotion quand le vendredi 22 janvier, les livres sont arrivés à la bibliothèque de Lyon et que plusieurs livres ont été sortis de leur carton pour l'exposition des livres d'indologie que nous aurons le plaisir de vous présenter cet après-midi. Quelle perspective à présent pour conclure ? Avec un master spécialisé en indologie, plusieurs enseignants titulaires et une abondance de sources premières, nous avons donc à présent tous les ingrédients qui nous permettent de constituer un pôle innovant associant Lyon, Lausanne, les FEO et qui nous font espérer avoir dans un futur proche une filière d'indologie complète à Lyon 3. Ça, c'était... on revient un peu dessus. Et aussi un centre de recherche spécialisé dans la circulation des idées et des religions, spécialisation dans les littératures et religions médiévales, exploration de textes inexplorés que nous recevons du Collège de France. Et donc, ce qui manque encore aujourd'hui pour avoir un centre, une filière d'indologie complète, c'est la présence d'une licence LCER trilingue sur 2 ans et spécialisée en 3e année en indologie. Pensée en vue du prochain contrat quinquennal, cette licence peut être créée sans frais supplémentaires en mutualisant les enseignements de sanskrit, hindi et culture indienne qui existent déjà. Le projet a été jugé intéressant par M. le doyen Pierre Girard, ici présent, avec qui j'en ai parlé dès sa prise de fonction en janvier, et nous devons nous revoir prochainement pour sa finalisation. De la sorte, nous honorerons la confiance que nous fait le Collège de France en choisissant notre université pour ce don d'ouvrage précieux, et nous renouerons aussi avec la tradition de l'indologie lyonnaise qui a débuté à la fin du XIXe siècle et dont M. Leclerc va vous dévoiler à présent les mystères et les coïncidences. Donc,
pour commencer mon exposé, puisqu'on vous a promis des coïncidences, eh bien la première, c'est qu'à un jour près, nous fêtons en même temps que le généreux don du Collège de France les 137 ans d'existence d'un enseignement du sanskrit à Lyon, car c'est le 1er février 1879 que Paul Regnault, que vous voyez apparaître donc sur l'écran, fut nommé maître de conférence à la Faculté des Lettres de Lyon pour transmettre aux étudiants sa connaissance de cette langue. Alors, loin d'être un événement isolé, la création de ce poste s'inscrivait dans un plus vaste processus de développement des études sanskrites voulu par le ministère de l'Instruction publique. Malgré le prestige dont jouissait la chaire de sanskrit fondée au Collège de France en 1815, dont on vous a parlé, le pays avait en effet accumulé un retard certain par rapport à l'Allemagne notamment, qui disposait depuis les années 1820 de plusieurs lieux d'enseignement du sanskrit. Cette langue bénéficia donc des évolutions et des réformes qui eurent lieu dans l'enseignement supérieur français au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Un directeur adjoint et un répétiteur de sanskrit furent par exemple nommés à l'école pratique des hautes études dès sa création en 1868 et en 1877, c'est l'Université de Paris qui se trouva dotée d'un poste de maître de conférence. C'est donc à peine 2 ans plus tard que Lyon devint la première ville de province à bénéficier d'un cours universitaire de langue et de littérature sanskrite. Ce choix qui a été fait parmi d'autres candidatures, comme celle de Nancy, se justifie avant tout par la taille de Lyon, deuxième ville de France, pour reprendre les mots de Paul Regnault, mais tenait aussi sans doute à la tradition intellectuelle qui s'y était développée depuis la Renaissance. Et le propre parcours de Paul Regnault est lui aussi étroitement lié à cet essor du sanskrit dans le champ universitaire, puisqu'il se trouvait à Paris dans les années 1860, où il dirigeait un commerce de fer et de charbon, et il s'inscrivit en fait à l'école pratique des hautes études l'année même de sa création. Et c'est ainsi qu'il suivit les cours de sanskrit que dispensaient dans cette institution donc Eugène Auvet-Bénaud et Abel Bergaigne. Il étudia dans ce même établissement la grammaire comparée, sous la direction de Michel Bréal, et c'est sans doute en raison des liens noués à cette époque que ce dernier, devenu inspecteur de l'enseignement supérieur, proposa à son ancien élève le poste de maître de conférence à Lyon. Ce choix de Michel Bréal se révéla judicieux, car Paul Regnault eut à cœur de mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche. Il se voit à sa double tâche avec abnégation, dira de lui un de ses collègues, et sa vie fut un apostolat scientifique, selon un de ses proches disciples. Donc de sa nomination en 1879 sa retraite en 1908, il passa à l'Université de Lyon presque 30 ans de sa vie à former les étudiants tout en publiant ses propres travaux scientifiques avec une belle régularité. Alors, malgré cette longue et riche carrière universitaire, la renommée de Paul Regnault a décliné quelque peu au fil des décennies, contrairement à celle de son illustre maître Abel Bergaigne ou de son jeune et brillant collègue Sylvain Lévy, dont on vous a parlé à plusieurs reprises. Et c'est cette injustice que je souhaiterais maintenant réparer en partie en montrant à quel point ce savant a pu se montrer novateur dans l'étude et l'enseignement du sanskrit. Car non seulement il a composé à titre personnel une œuvre remarquable à bien des égards, mais il a aussi su créer à Lyon, autour de sa personne, une véritable dynamique dans l'étude du sanskrit et de la culture indienne, qui peut expliquer pourquoi cette tradition qu'il a initiée perdure encore aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour ce qui est de la promotion de la langue sanskrite, on peut noter qu'à l'ouverture des conférences de sanskrit en 1879, Paul Regnault prononça un discours dans lequel il prit soin d'exposer l'intérêt que représentait cette langue et la littérature qu'elle véhiculait. Et il répéta l'exercice quelques années plus tard, en 1887, lorsque fut créée à son intention une chaire de professeur de sanskrit et grammaire comparée. Donc, dans ses plaidoyers en faveur du sanskrit, Regnault convoqua plusieurs arguments. Il rappela ainsi que la pratique de la grammaire comparée était étroitement liée à la connaissance du sanskrit, ou que les textes védiques permettaient de retracer la pensée des peuples antiques à une période, je cite, particulièrement intéressante et obscure. En cela, on peut dire qu'il suivait simplement les tendances générales de l'indologie européenne, telles que les savants allemands avaient
contribué à les définir, car ces derniers, en fait, après avoir fait du sanskrit un usage purement linguistique, avaient tourné dès les années 1840 leurs efforts vers l'édition et l'analyse des textes védiques. En revanche, Paul Regnault se montra déjà plus original en soulignant l'intérêt que pouvait revêtir par elle-même et pour elle-même la littérature sanscrite d'époque moins ancienne que les Védas. En effet, les littératures en langues étrangères n'éveillaient encore qu'un intérêt limité à son époque, comme le montre par exemple le faible nombre de chaires universitaires qui leur étaient consacrées. Et quand je parle de littérature en langue étrangère, c'est un panorama assez large, aussi bien italienne, allemande, russe que d'autres encore. Or, Paul Regnault avait manifestement une sensibilité littéraire, qu'il porte d'ailleurs au crédit de son père en préface d'un de ses livres, et il l'affirma donc avec véhémence et enthousiasme, je cite, « N'eût-on d'autre but en étudiant le sanskrit que de goûter des jouissances littéraires nouvelles, on ne risquerait pas d'être déçu. » Quelques années plus tard, il élargira encore l'intérêt du sanskrit à l'étude de la philosophie, en mentionnant par exemple les systèmes du bouddhisme et du Vedanta, comme à celle de l'histoire, en rappelant que dès l'Antiquité, Alexandre avait abordé les confins de l'Inde. De façon encore plus visionnaire, Paul Regnault souligna également l'utilité du sanskrit, non seulement pour comprendre d'autres langues anciennes de l'Inde, Prakrit et Pali, mais aussi pour étudier, dans une perspective économique, les langues modernes qui lui étaient apparentées. Il prévoyait en effet que les relations de Lyon avec l'Orient allaient être de plus en plus suivies, et il avait conscience de l'utilité des langues pour mener à bien des transactions commerciales. Peut-être cette lucidité lui venait-elle de son expérience personnelle du monde de l'entreprise. Peut-être avait-il aussi en tête les initiatives de son ami, le riche industriel Émile Guimet, qui, à la même époque, en 1879, créa à Lyon le premier musée Guimet et mettait également en place un enseignement du japonais. Donc, comme vous pouvez le voir, il y avait quand même plusieurs pistes que Paul Regnault esquissait dès son entrée en fonction. Et conformément à ses orientations, eh bien, il se livra de multiples travaux sur la langue et les littératures sanscrites. Donc, comme je vous ai dit, il avait été formé à la grammaire comparée par Michel Bréal et il s'intéressa beaucoup à des questions de linguistique, publiant plusieurs ouvrages à ce sujet, comme par exemple en 1895 « Une phonétique historique et comparée du sanskrit et du zend ». Et il collabora à plusieurs revues de linguistique, notamment une, la revue de linguistique et de philologie comparée, où il publia pas moins de 61 articles. Donc, sous l'influence de son autre maître, Abel Bergaigne, il fut aussi attiré par le corpus des Védas, puisque Bergaigne avait véritablement révolutionné l'approche de ce type de texte. Et c'est par une étude précisément de la doctrine des Upanishads, qui se range donc dans le corpus védique, qu'il acheva d'ailleurs son apprentissage du sanskrit à l'école pratique des hautes études. Et tout au long de sa carrière, on retrouve cet intérêt pour l'univers védique et notamment pour sa mythologie, comme en témoignent plusieurs de ses publications. Pourtant, ce n'est pas dans ces domaines que Paul Regnault produisit ses travaux les plus intéressants et les plus innovateurs, mais plutôt dans celui de la littérature sanskrite classique. Dès 1871, alors qu'il est encore donc étudiant à l'école pratique des hautes études, il publie une étude sur un auteur qu'il range au nombre des Poetae Minores de l'Inde, nommé Bhartrihari. Alors, il est vrai que Bhartrihari n'a laissé à la postérité que trois collections d'une centaine de vers, ce qui peut sembler assez modeste au regard des dimensions colossales des Védas ou des épopées sanscrites, mais Paul Regnault perçoit quand même l'intérêt d'une œuvre que les Indiens eux-mêmes admiraient, et il note, je cite, que les sanscritistes en général semblent trop oublier les œuvres purement littéraires de l'Inde ancienne. Selon lui, il est incontestable que la littérature sanscrite est moins connue qu'elle ne mérite de l'être, et il va œuvrer pour permettre au public français d'y avoir plus facilement accès, notamment par le biais de traductions qu'il veut aussi élégantes et fidèles que possible. Et donc, en 1875, dans le prolongement de cette étude, Paul Regnault va ainsi traduire intégralement les trois centuries de Bhartrihari sous le titre « L'essence érotique, morale et religieuse de Bhartrihari ». Et en introduction, il n'hésite pas à mettre en regard deux traductions d'une de ces stances,
En fait, l'une qui est due à son prédécesseur Hippolyte Fauché, qui avait traduit un certain nombre de textes sanscrits dans les années 1860, et il met en regard la sienne pour montrer comment, finalement, on va dire, une traduction trop littérale peut aboutir à un résultat assez peu satisfaisant. Donc la traduction d'Hippolyte Fauché de ce vers qui concerne, qui se rattache à la centurie du renoncement, est quand même assez compliquée et un peu long, comme vous pouvez le voir. Donc je vais me contenter de lire celle de Paul Regnault. « Ce pot difficile à remplir qu'on appelle le ventre se plaît à contrefaire. Comme le voleur, il est très habile à couper la bourse de la dignité. » Comme la lune dont le pur éclat fait fermer les lotus de jour, il éteint toutes les meilleures qualités, et comme une hache, il tranche la liane luxuriante de l'honneur. Que finalement, la fin pousse à agir de façon fort inconvenante. Donc, Paul Regnault va aussi compter parmi les premiers traducteurs en langue européenne d'un des chefs-d'œuvre du théâtre sanskrit classique, le chariot de terre cuite de Shudraka. Et en fait, il s'attaque à cette traduction à cause de la médiocrité des traductions et des adaptations françaises antérieures. Et pour finalement renouveler l'approche de ce texte, eh bien, il décide de s'aider d'un commentaire qui avait été préparé par un savant indien en 1822 à la demande du premier traducteur anglais de cette pièce. Et ce souci de s'appuyer sur les savoirs traditionnels des Indiens témoigne là encore de la modernité de Paul Regnault. Car si une telle attitude est assez répandue aujourd'hui chez les spécialistes d'études indiennes, elle était nettement moins au XIXe siècle, où l'on faisait davantage confiance eh bien, à la philologie européenne qu'aux analyses de commentateurs indiens tardifs. Et contrairement donc à son prédécesseur britannique Horace Wilson, Regnault prendra même la peine de citer explicitement en note de sa traduction des portions de ce commentaire selon une pratique que l'on adopte maintenant fréquemment, mais qui était vraiment rare à son époque. Et cet intérêt pour la poésie sanscrite, ce désir de travailler des matériaux inédits, se retrouvera encore quelques années plus tard, lorsque Paul Regnault entreprit d'éditer et de traduire une œuvre qui sommeillait l'état de manuscrits dans les réserves de la Bibliothèque nationale de Paris, donc une anthologie poétique du XVIIe siècle. Et en éditant et en traduisant ce texte, eh bien, il complétait les travaux de ses confrères allemands sur de telles anthologies. Et il est quand même intéressant de noter qu'un siècle plus tard, quand est préparé par un chercheur nommé Ludwig Schambach une étude monumentale sur la poésie sanscrite conservée dans les anthologies et les inscriptions, eh bien, il ne manque pas de mentionner ce travail que Paul Regnault avait fait et que finalement personne n'avait ensuite, sur lequel personne n'avait ensuite fait apporter de complément. Donc en hommage à ce travail, je ne résiste pas au plaisir de citer sa traduction d'une strophe consacrée au thème du pan, puisque c'est quand même l'emblème de cette journée, et qui fait allusion à l'inimitié entre cet oiseau et les serpents. Donc j'en ai profité pour ajouter encore une autre illustration, tant qu'à faire. À quoi bon dans les montagnes du Malaya ces différentes sortes d'oiseaux inutiles, corbeaux, chouettes, pigeons, coucous? Si le paon qui les avoisine pousse à lui seul son cri, on peut approcher le santal, cet arbre qui réjouit le cœur de tous les hommes et que cesse alors d'entrelacer des groupes de serpents. Et donc, pour finir ce panorama de la production scientifique de Paul Regnault, un dernier domaine où il fut pionnier fut celui de l'étude de la poétique et de la dramaturgie indienne. Il publia notamment en 1884 une synthèse magistrale sur la rhétorique sanscrite, qu'il avait préparée dans le cadre de son doctorat sous la direction d'Abel Bergaigne et d'Eugène Auvet-Benot. Et ce livre fut couronné par un prix de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et devint rapidement une référence incontournable, comme en témoigne sa présence dans la bibliographie des ouvrages ultérieurs qui sont consacrés au théâtre comme à la poésie de l'Inde. Alors la valeur de ce livre, en fait, elle tient non seulement à la richesse de ses références à des textes déjà édités, mais aussi à la présence en annexe de textes sanscrits inédits, la Rasa Tarangini de Banu Datta, et surtout plusieurs chapitres du Natya Shastra, un très vieux traité sur le théâtre, attribué à un sage légendaire du nom de Bharata. En fait, Paul Regnault avait pressenti l'importance capitale de ce texte
Et dès 1880, on avait publié certains passages, et notamment en préambule de son édition du chapitre 17, il tenait le propos suivant. Si l'on considère que ce qui a été écrit plus tard dans l'Inde sur les mêmes sujets, donc à savoir entre autres la musique, la danse, le jeu de l'acteur ou encore l'architecture du théâtre, n'est guère que la répétition ou l'amplification de l'œuvre consacrée et autorisée entre toutes du vieux Muni, du vieux sage, on jugera que son livre est d'un intérêt aussi vif et multiple que le serait un ouvrage sur les conditions scéniques et poétiques des pièces grecques émanées d'un contemporain d'Euripide, et que de tous les manuscrits sanscrits de l'époque classique qui restent à publier, il n'en est guère d'aussi important à tous égards que le Bharatiya Natya Shastra. Et la sagacité de ce jugement n'a jamais été démentie depuis. Et pour preuve, en fait, j'ai mis juste donc une photo de la couverture de deux ouvrages parus en Inde, donc dans les années 1970 pour l'un et beaucoup plus récent pour l'autre, qui montrent que effectivement les études sur Natya Shastra sont encore très dynamiques aujourd'hui, parce que ce texte reste vraiment incontournable, à la fois pour comprendre comment était jouer le théâtre à une époque ancienne, mais aussi pour comprendre les traditions actuelles de théâtre et de danse en Inde, avec des types de spectacles comme le Bharatanatyam que certains d'entre vous peuvent connaître. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement Paul Regnault a gagné une réputation nationale et internationale en s'attaquant à l'édition de ce texte fondateur, mais il a également fait école d'une certaine façon. Et c'est le troisième point que j'aimerais aborder maintenant, c'est les efforts de ce savant pour fonder à Lyon une école d'indologie à la fin du XIXe siècle. Pour Paul Regnault, en effet, l'enseignement allait de pair avec la recherche. Et il explique par exemple que ces publications de stances sanskrites dont je vous ai parlé étaient directement issues de ses cours de sanskrit avancés. Et d'une certaine façon, il faisait de ses élèves très vite de véritables collaborateurs et il les responsabilisait, les mettait de la sorte sur la voie de leur propre recherche sans d'ailleurs leur imposer sa propre spécialité. C'est-à-dire qu'il proposait des cours aussi variés que possible pour faire naître toutes sortes de vocations. Donc je vous citerai juste un exemple. Dans ses programmes de cours dans 1884-85, eh bien, il avait inclus l'étude d'un traité sur le système du Vedanta pour intéresser les philosophes qui s'initiaient auprès de lui à la connaissance du sanskrit. Et on peut également noter que d'autres étudiants qu'il avait formés au sanskrit se tournèrent davantage vers toutes sortes d'études linguistiques, notamment en allemand, grâce aux connaissances techniques qu'il leur avait transmises à travers son enseignement du sanskrit. Mais on peut quand même noter qu'il a également formé des spécialistes en sanskrit, comme en témoigne notamment la carrière d'un de ses élèves, Joanny Grosset. En effet, Joanny Grosset a finalement assez vite choisi comme son maître de traduire, d'éditer et de traduire, d'analyser des portions du Natya Shastra. Donc il avait notamment en 1888 édité une contribution à l'étude de la musique hindoue que j'ai encore vu citer dans on va dire l'ouvrage actuel de référence sur le théâtre indien de Lynn Bansaboudon qui date de 1992. Toute la portion consacrée à la musique est basée de toute façon sur cet ouvrage-là. Et Joanny Grosset, encouragé par Paul Regnault, eut même l'ambition d'éditer l'intégralité du Natya Shastra, qui est quand même un texte assez monumental. Et il n'a pas malheureusement pu mener à terme cette édition critique. Il a publié, on va dire, une quinzaine de chapitres. Mais il a quand même obtenu, par ce travail, une reconnaissance non seulement en Europe, mais également en Inde. Et par exemple, le premier savant indien à proposer une traduction intégrale de ce traité en anglais, donc qui s'appelle Manmohan Ghosh, décrivit l'édition critique de Joanny Grosset comme un des meilleurs spécimens de l'érudition occidentale moderne. C'est pour vous dire quand même le rayonnement qu'avait pu obtenir cette école lyonnaise dans ce domaine particulier de la dramaturgie sanskrite. On peut également citer parmi les autres disciples de Regnault Armand Guérineau,
qui fut lui aussi marqué par les audaces intellectuelles de son maître. Alors, en reprenant sa carrière, on peut constater que dans un premier temps, il s'inscrivit dans le sillage de Paul Regnault. Par exemple, il fit une thèse à Lyon sur la rhétorique védique. Donc, on voit bien le lien avec la rhétorique sanscrite de son maître. Mais très vite, eh bien, il trouva sa propre voie et devint un pionnier dans l'étude d'une religion indienne encore mal connue à l'orée du XXe siècle, qui était le jainisme. Donc, d'une certaine façon, entre autres coïncidences, on peut voir que les flambeaux que Paul Regnault avait transmis à ses disciples ont été quand même repris et rallumés par les actuels membres du département d'indologie de Lyon 3, puisque nous sommes quand même, ma collègue et moi-même, spécialisés dans le jainisme, dans les études théâtrales, dans la promotion des littératures aussi indiennes pour elles-mêmes. Et j'espère que tous ces textes, justement, qui nous ont été généreusement donnés, permettront de poursuivre sur cette lancée. Merci. Bonjour et merci beaucoup d'être... Merci beaucoup d'être présent ici aujourd'hui parmi nous. Donc, nos remerciements vont bien entendu directement à nos collègues du Collège de France pour leurs propositions et pour leur collaboration constante. Donc, l'arrivée de ces riches collections est une vraie chance, donc, les collègues de Lyon 3 l'ont dit avant moi, pour notre communauté universitaire et pour notre université. Donc l'objet de mon intervention, en fait, sera de faire le lien entre la qualité des fonds documentaires qui sont d'ores et déjà présents à Lyon 3 et la promesse d'un enrichissement considérable pour notre bibliothèque que représente l'arrivée du don du Collège de France. Pour ce faire, je vais d'abord essayer de présenter un bref historique de nos fonds documentaires à Lyon 3. Et disons à Lyon plus généralement, avant de décrire le fonds actuel et de parler un petit peu de l'apport considérable que représentent les ouvrages du Collège de France qui nous arrivent cette année. Donc tout d'abord, la mise en place, donc, comme l'a dit juste avant moi Monsieur Leclerc, donc, la mise en place des fonds d'indologie à l'Université Lyon 3 est à relier avec la création des enseignements donc, à la fin du XIXe siècle, en 1879. Bon, alors je n'ai pas pu retracer l'historique, en fait, de façon précise de notre fonds, mais ce que je peux dire, c'est que, de toute façon, l'activité de recherche et d'enseignement s'accompagne toujours, traditionnellement, de la constitution d'un fonds d'ouvrage sur le sujet, qui est un outil indispensable pour les étudiants et pour les chercheurs. Donc à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui, puisque la circulation des idées et les moyens de connaissance donc, ne bénéficiaient pas des nouvelles technologies comme l'Internet notamment. Donc j'ai trouvé un certain nombre d'ouvrages dans notre fonds qui datent du XIXe siècle et qui ont, selon toute probabilité, été versés donc, au fonds de l'université juste après leur publication. Donc, notamment, j'ai retrouvé un certain nombre d'ouvrages offerts par Paul Regnault. Donc, on voit la mention manuscrite directement à l'université. Et aussi, donc, j'ai retrouvé aussi des ouvrages qui ont été offerts par Paul Regnault, comme celui-ci, donc à un professeur Heinrich, qui ensuite est, par le jeu en fait des donations, est arrivé chez nous. Donc, on voit les différents tampons. Qui en témoignent. Donc voilà, ça montre un petit peu donc, tous les ouvrages qui ont été cités justement par Basile Leclerc. Donc on les voit ici dans leurs éditions originales et figurent donc en bonne place sur nos étagères. Donc une partie d'entre eux ont été publiés à Lyon et parfois même à l'université. Donc comme celui-ci. Voilà, dans la collection des annales de l'Université de Lyon. Après Paul Regnault, donc, excusez-moi, je me recule un peu, non ?
Donc après Paul Regnault, se sont succédés à Lyon donc de grands noms des études indiennes et qui ont sans doute chacun en leur temps contribué à enrichir donc le fond documentaire de notre université, puisque les livres en fait sont présents à la fois donc en amont de la recherche comme source et en aval comme donc fruit de la recherche, et donc le résultat d'un travail de recherche se concrétisant souvent par une publication. Je vais peut-être vous citer rapidement quelques noms. Je ne voudrais pas prendre trop de temps. Quelques noms en fait des titulaires de la chaire d'études indiennes à Lyon, puisque c'était Lyon avant d'être Lyon 3, qui ont justement contribué au rayonnement des études indiennes, comme le disait donc le professeur Chojnacki avant moi. Donc il y a eu donc justement Joanny Grosset, qui donc justement a publié. A participé, en fait, a collaboré avec son maître Paul Regnault à la publication d'un ouvrage de mélange. Ensuite, bien sûr, Louis Renoux, donc on a évoqué largement ce matin, qui donc, avant d'être à l'école pratique des hautes études, donc a exercé à Lyon. On peut aussi parler d'Armand Minard, donc dans les années 30. Et qui est resté à Lyon donc jusqu'en 1957, qui a succédé à Louis Renoux. Donc, on trouve ses publications dans notre fonds. Donc là, il fait référence donc bien sûr à Sylvain Lévy. Et on a eu aussi donc Charles Malamud, qui a été aussi beaucoup plus récemment donc assistant de philologie classique et de sanskrit à l'Université de Lyon. Avant de rejoindre l'école pratique des hautes études comme maître de conférence, et qui a donc ici à Lyon 3 a dirigé une thèse donc, en 1985 dont nous avons un exemplaire, donc il a exercé aussi jusqu'en 1985 d'après ce que j'ai compris. Donc, à travers cette brève évocation des grands noms de l'indologie à Lyon, se dessine leur contribution à l'enrichissement des fonds documentaires de l'université, tant il est vrai que l'université fut le lieu où ils menèrent leurs recherches, leurs enseignements, et donc tout naturellement où étaient publiées, éditées leurs publications. Donc, je voudrais faire à présent un petit aparté, mais qui, vous le verrez, donc, entre en écho et en résonance avec ce qui a été dit tout à l'heure par Ronan, sur les rapports de notre fonds avec l'indologie, mais sous un autre aspect. Donc, j'ai retrouvé dans notre donc, je voudrais parler maintenant de Nadine Stupak, qui a écrit donc ce fameux dictionnaire qui fait toujours référence et dont nous avons une édition originale dans nos fonds. Donc, j'ai retrouvé un peu par hasard un certain nombre d'ouvrages qui ont appartenu à Nadine Stupak, qui était donc une orientaliste, une indianiste passionnée. Et je vais vous parler un petit peu d'elle. Et nous avons retrouvé, par contre, c'était dans le fond slave, des ouvrages qui lui ont appartenu. Et donc, ça fait le lien, finalement, quelque part, avec l'arrivée de ces ouvrages aujourd'hui dans notre université. Donc, Nadine Stupak est née dans l'Empire russe en 1886. En 1907, elle a émigré en France. En fait, elle a quitté la Russie avec son époux. Et à Paris, elle s'est orientée donc vers les études indianistes. Donc, elle a étudié donc à la Sorbonne, à l'école des langues orientales vivantes et à l'école pratique des hautes études. Et elle a eu donc justement pour maître les plus grands indianistes français, donc Sylvain Lévy qu'on a vu tout à l'heure, Alfred Fouché, Louis Finot et également Antoine Meillet. Donc, qui était un linguiste spécialiste des langues indo-européennes et dont nous avons aussi quelques ouvrages dans le fond slave. Et c'est justement donc à l'école des hautes études, lors des cours d'Antoine Meillet, qu'elle a sur le vieux slave, qu'elle a lié connaissance avec le slaviste André Mazon. Donc, en 1917... Donc justement, cette photo, je pense, a été prise à l'Institut de civilisation indienne. Donc ça, quand j'ai vu, ça a fait écho en fait en moi. En 1917,
Nadine Stupak a obtenu le diplôme de la 4e section de l'école pratique des hautes études avec un travail consacré justement à la grammaire sanscrite et qui sera publié l'année suivante dans la collection des travaux de la Société d'études linguistiques de Paris. Et en 1922, elle a commencé à enseigner le sanskrit à la Sorbonne. Donc, lorsque Sylvain Lévy, son directeur de recherche, a cofondé l'Institut de civilisation européenne, de civilisation indienne en 1927, il a invité en fait Nadine Stupak à occuper les fonctions de secrétaire et de bibliothécaire de l'Institut, et elle fut donc également chargée des acquisitions de la bibliothèque. Donc, au dire de tous, des enseignants comme des étudiants, d'après un article que j'ai trouvé, donc elle a joué à l'Institut un rôle fondamental. Donc, elle fut, j'ai trouvé l'expression, l'âme de l'Institut. Elle a créé une atmosphère chaleureuse, bienveillante et studieuse. Donc, elle-même menait des recherches, en fait, dans le domaine des études indiennes, mais elle était toujours prête à consacrer de son temps pour aider les étudiants qui venaient s'adresser à elle, bien plus que ce qu'on aurait pu attendre d'elle. Et elle a publié donc des ouvrages d'une qualité scientifique incomparable, donc le fameux dictionnaire qu'elle a copublié avec Louis Renou et son ami Luigianiti Dolci, et aussi donc une christomatite sanscrite, mais qui est parue à titre posthume puisqu'elle est décédée prématurément. Donc, pour en revenir quand même à la bibliothèque universitaire de Lyon, je n'ai pas pu retracer avec certitude le chemin qui a pu conduire donc les ouvrages ayant appartenu personnellement à Nadine Stupak jusqu'à Lyon, jusqu'à l'université de Lyon, mais j'ai une hypothèse à proposer. Donc le lien entre ces ouvrages et notre fonds, en fait, serait peut-être donc le slaviste André Mazon, qui appréciait infiniment les qualités humaines et intellectuelles de Nadine Stupak. J'ai pu le lire justement dans un petit opuscule des mémoires qui ont été publiés à sa mémoire donc après sa mort en 1945. Et André Mazon, qui était alors professeur de littérature russe à la Sorbonne, a invité Nadine Stupak à participer à des séminaires qu'il consacrait au conte du Tsar Saltan de Pouchkine. Et bien qu'elle fût une indianiste passionnée, comme je l'ai dit, elle ne continuait pas moins à emporter un intérêt certain à la littérature russe, et en particulier à la littérature russe du siècle précédent, c'est-à-dire à la littérature de l'époque de Pouchkine. Elle a donc d'ailleurs à ce propos, on peut mentionner qu'elle a rédigé un article en fait sur les décembristes à l'occasion du centenaire de leur insurrection en 1925. Donc la collaboration en fait, c'est justement entre André Mazon et Nadine Stupak, s'est poursuivie au Collège de France justement, et où ils, donc au dire d'André Mazon lui-même, donc ils expliquaient ensemble le voyage dans l'Inde de Nikitine, qui est un texte paru dans le Voyage au-delà des trois mers, donc qui a été écrit par un marchand russe qui s'appelle Athanase Nikitine et qui avait entrepris un voyage en Inde donc dès le 15e siècle. Et donc, au cours de ces séances, Nadine Stupak complétait, comme le rapporte André Mazon, elle complétait donc toujours ses propos par des suggestions, des idées personnelles, voire des ouvrages ou des revues donc récents de l'époque, donc du début du XXe siècle, qu'elle recevait de Leningrad. Et c'est justement, à mon avis, les ouvrages que nous avons reçus, puisque en fait, la plupart des ouvrages que j'ai retrouvés dans notre fonds, en fait, ce sont des ouvrages des années 20 et 30, et qui portent beaucoup sur Pouchkine, sur la littérature russe. On voit, ce sont des ex-libris. Alors, ce sont des ex-libris de l'Institut d'études slaves. Donc, peut-être que les ouvrages ne sont pas venus directement, qui sont passés par l'Institut d'études slaves avant d'arriver chez nous. Ça, je n'ai pas pu retracer le parcours. On a aussi quelques ex-libris qui ont été écrits à la main, peut-être peut-être qu'ils sont de sa main. Ça. Elle conservait donc de nombreux liens avec les savants russes de son temps. Et André Mazon précise justement qu'elle avait rassemblé dans sa bibliothèque russe le meilleur des richesses de sa patrie d'origine, où figurait donc en bonne place l'œuvre de Pouchkine.
Et en effet, donc, c'est ce que nous avons pu voir. Alors donc, on peut penser que c'est via André Mazon, qui la connaissait si bien que... donc, elle aurait pu peut-être, à sa mort, donc, lui léguer une partie de ses ouvrages. Et ensuite, Mazon les aurait transmis. Parce que j'ai retrouvé aussi un article donc, qui est paru dans la revue d'études slaves, des études slaves en 2011, et qui mentionne que... qui était donc... consacré à André Mazon, et qui mentionne qu'il a servi d'intermédiaire pour l'acquisition de, enfin, donc, pour l'acquisition de livres soviétiques au début du XXe siècle à Jules Patouillet, qui était l'ancien directeur de l'Institut français de Pétrograd et qui enseignait à Lyon, et qui justement cherchait à compléter la bibliothèque de l'Université de Lyon. Donc je me suis dit peut-être que si il a permis d'obtenir des livres directement de Russie à Jules Patouillet, peut-être que ces ouvrages-là, c'est lui qui les aurait transmis à Jules Patouillet, mais c'est juste une hypothèse. Je n'ai pas d'éléments concrets pour le confirmer. Voilà, et je trouve quand même que ça a quelque chose d'assez émouvant, parce que je pense que dans les ouvrages qui nous ont été offerts du Collège de France, certains ont peut-être été acquis justement par Nadine Stupak, puisque nous avons vu, quand nous avons ouvert les cartons, nous avons vu un certain nombre de dédicaces, en particulier à Sylvain Lévy. Donc je pense que certains ouvrages datent de cette époque, et je trouve que le fait qu'on retrouve en fait sa bibliothèque personnelle qui rejoint les ouvrages qu'elle a achetés sur le plan professionnel, ça a quelque chose d'un peu d'assez émouvant. Voilà, c'est les hasards de l'histoire. Et donc, pour en revenir aux ouvrages indiens de Lyon III, on peut relever donc pour notre fonds un certain nombre de points forts, comme en particulier donc la collection, des collections comme Bibliotheca Indica, dont les volumes arrivaient à Lyon à l'époque en même temps qu'à Paris. On avait aussi donc qui ont déjà été mentionnés par le professeur Georges Naki, des grandes collections prestigieuses. Et donc, le professeur Chojnaki, quand elle est arrivée à Lyon dans les années 90, vous a parlé de ce travail, justement, de son travail donc pour répertorier un petit peu les ouvrages qui étaient disponibles dans le fonds indien. Et parce que, justement, comme elle a précisé, le fait que les ouvrages, donc ça, elle n'a pas précisé, mais les ouvrages n'étaient pas en accès direct, donc c'était un accès par fiche, un prêt indirect. Allié au fait qu'ils étaient classés par numéro d'inventaire, tout ça ne facilitait pas donc les conditions pour mener une recherche scientifique, ni pour découvrir des ouvrages, des ouvrages qui auraient été présents et qu'on n'aurait pas imaginé. Donc le fonds, donc comme l'a mentionné le professeur Jonaki, a atteint près de 5000 ouvrages, mais donc une grande partie a été perdue donc dans l'incendie de la bibliothèque centrale. Et donc ça a eu lieu en fait à un an malheureusement d'un déménagement de cette bibliothèque qui avait été prévue de longue date sur le site de Gerland pour septembre 2000, donc très peu de temps après. Donc des locaux provisoires avaient été prêtés par le conseil général Rubensel pour le traitement des collections endommagées. Donc, M. Marc Martinez avait d'ailleurs œuvré à cette époque pour la reconstitution des fonds. Et j'ai retrouvé, justement, il y a eu toute une opération de reconstitution des fonds avec des dons de la France entière. Et j'ai retrouvé, justement, un ouvrage de sanskrit qui porte cette mention, donc opération reconstitution des fonds, donc qui nous a été offert, justement, à l'époque, donc pour compenser un peu... autant que faire se peut, malheureusement, donc la perte des ouvrages dans l'incendie. Donc, en fait, tous les ouvrages, à l'époque, passaient par la rue Bancel et ensuite étaient... ils transitaient par la rue Bancel et ensuite, on les stockait dans d'autres entrepôts sur la région lyonnaise, à Lyon, avant que tous ne soient donc finalement déménagés à Gerland, dans les nouveaux locaux. Et les ouvrages d'études indiennes rescapés de l'incendie ont suivi ce chemin. Sans doute qu'ils n'ont pas été... parce que donc il y avait l'accueil du public, Rubensel. Sans doute qu'ils n'ont pas fait partie du cœur de collection qui était présenté au public au cours de l'année universitaire 1999-2000 et qu'ils ont été stockés ailleurs. Cependant, donc ils sont passés Rubensel et ont rejoint Gerland. Et comme l'a expliqué le professeur Georges Naki...
du fait que finalement à l'ENS on n'avait pas besoin directement de ces collections, un accord entre les présidents a été obtenu pour qu'ils reviennent à Lyon 3. Et alors c'est une coïncidence étrange puisque justement on ouvrait en 2002 la bibliothèque donc Lettres et Langues Rubancel. Et ces ouvrages sont revenus justement dans ces locaux. Donc en fait, la bibliothèque Lettres et Langues occupait donc le rez-de-chaussée et le premier étage, puisqu'au-dessus, justement, je mentionne pour l'anecdote, on avait justement les réserves du musée Guimet de Lyon, une partie des réserves qui d'ailleurs la bibliothèque a fermé en fait l'année dernière. Et le musée Guimet dispose, si j'ai bien compris, de toute la surface pour ces réserves. Voilà. Donc du coup, à ce moment-là, quand les ouvrages sont arrivés rue Rubancel, on a pu obtenir ce qui n'avait pas été le cas jusque-là, c'est-à-dire qu'ils soient classés par thème, ce qui facilitait quand même... Ils ont été donc mis en libre accès, classés par thème et catalogués informatiquement. Donc ce qui facilitait bien entendu l'accès pour les chercheurs. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment étaient les locaux. Ça, c'était au moment de la préparation du déménagement, donc c'était pas... La meilleure... Je n'ai pas trouvé d'autres photos. Ces ouvrages sont restés là, donc de 2002 jusqu'à l'automne 2014 et au déménagement jusqu'ici, donc à la MILC, qui a ouvert ses portes au public en janvier 2015, il y a un peu plus d'un an. Donc, pour ce qui est du fonds actuel, donc voilà, le fonds actuel, voilà, donc, comme je vous ai dit, tout ce qui a été sauvé n'a pas été en fait rendu par l'ENS parce que certains ouvrages transversaux ont été conservés. Donc nous avons un peu plus de 700 ouvrages dans le fonds indien actuellement, si j'espère ne pas en avoir oublié. Donc voilà comment ils se répartissent par thème. Et on voit qu'il y a quand même une nette prédominance de la religion et du bouddhisme, ce qui n'a rien d'étonnant pour un fonds d'indologie. Donc toutefois, ce fonds manque de sources primaires. Un certain nombre d'entre elles ont disparu dans l'incendie et avec des ouvrages de référence qui malheureusement sont épuisés aujourd'hui. C'est pourquoi donc c'est une aubaine pour nous vraiment de pouvoir bénéficier du don qui nous a été fait par le Collège de France. Donc pour présenter un petit peu ce don. Sur le plan numérique, c'est absolument considérable puisqu'il s'agit de 70 cartons qui sont arrivés donc de Paris le 22 janvier, ce qui représente à peu près 1500 volumes, avec deux types de provenance, donc à la fois des ouvrages qui étaient intégrés aux collections du Collège de France et qui figuraient en double, et d'autre part des ouvrages en fait qui proviennent de bibliothèques de chercheurs, donc comme il a été dit précédemment, et tout n'a pas été conservé par le Collège de France. Donc ce qui n'a pas été conservé nous a été donné. Donc c'était la bibliothèque donc de Madeleine Biardot et la bibliothèque aussi de Christian Bouy. Oui, les doublons, si je comprends bien. Vous avez gardé ce qui vous manquait et tout ce qui n'a pas été intégré, vous avez donné directement. Oui, bien sûr, on n'a pas la bibliothèque. Non, non, on n'a pas cette prétention. Non, pas du tout. Voilà. Donc, et sur le plan scientifique, donc il y a eu toute une sélection, donc avec les enseignants de Lyon 3, qui ont eu à cœur quand même de choisir justement les ouvrages qui, là aussi, ça a eu quelque chose d'un peu émouvant, qui étaient jadis présents dans nos fonds et qui ont disparu et qui finalement vont revenir grâce à cette opération. Donc, d'autre part, pendant la période difficile de travaux au Collège de France, peut-être que certains ouvrages ne seront pas très disponibles. Du coup, le fait qu'ils soient à Lyon les rendra peut-être disponibles plus largement pour la communauté scientifique, en particulier via le prêt entre bibliothèques. Je ne sais pas si j'ai encore... oui. Je ne voudrais pas vous retenir non plus. Donc, on a aussi eu un certain nombre de...
je vais vous montrer à la fin. Je vous montrerai l'exposition, oui, à la fin. Juste, donc, je ne peux pas rentrer dans le détail pour des raisons de temps, mais on a eu, donc, parmi ces ouvrages, un certain nombre de collections de premier plan, donc à la fois européennes et indiennes, qui viennent de, pour les collections indiennes qui viennent de toute l'Inde. J'avais mis une carte pour présenter, bon, que ça venait de toute l'Inde. Et donc, mais Basile Leclerc va revenir plus en détail sur tout ça, puisque en fait on a choisi de présenter dans l'exposition qui se trouve au deuxième étage, donc à la bibliothèque, dans la salle de lecture Alexandra Davinel, quelques ouvrages de chacune de ces collections, pour justement vous en donner un petit, pour vous donner un aperçu, ne serait-ce qu'un aperçu de ce qui nous a été offert. Et à la valeur scientifique incomparable de ces ouvrages, comme je le citais tout à l'heure, on peut aussi ajouter une certaine valeur patrimoniale, puisque certains sont relativement anciens, datant du XIXe siècle. Et surtout, donc certains ont appartenu à des chercheurs éminents avec des ex-libris, et parfois même des dédicaces de chercheurs éminents à d'autres chercheurs éminents. Donc c'est vraiment, c'est assez inespéré. Ce sont des exemplaires relativement uniques. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne veux pas vous... Voilà. Ah oui, l'exposition. L'exposition, voilà, c'est un petit aperçu, voilà, mais vous la verrez mieux tout à l'heure à 14h15. Voilà.